Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Alors voilà, on m'a demandé d'introduire cette soirée après-midi. Donc je vous préviens, je vais vous parler pour ne rien dire. Je suis désolé. Alors oui, j'imagine bien ce que vous vous dites. Hein, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Eh bien non, non, ce serait trop facile. Vous voudriez que je fasse quoi? Comme ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Non. Mesdames et messieurs, lorsque je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Oui, je veux en faire profiter tout le monde. Alors, vous allez me dire, mais de quoi allons-nous parler alors si nous parlons pour ne rien dire? Eh bien de rien. Et oui, de rien, car rien, mesdames et messieurs, ce n'est pas rien. Et oui, car on peut le soustraire, vous le saviez? Et oui, rien moins rien, c'est moins que rien. Alors si on trouve moins que rien, cela veut bien dire que rien vaut bien déjà quelque chose. Et oui. Et d'ailleurs, avec rien, on peut acheter quelque chose. Oui, en le multipliant. Et oui. Bon, une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien, avec trois fois rien, on peut acheter quelque chose. Oui. Et pour pas cher, en plus, hein. Vraiment. Et oui. Alors, si on multiplie trois fois rien par trois fois rien, désormais. Non, rien fois rien, c'est toujours rien. 3 fois 3, ça fait 9, donc ça fait rien de 9. Ah, bon, effectivement. Donc c'est vrai, effectivement, on va peut-être parler d'autre chose. Parlons d'autre chose. Ah, tiens, bah, parlons de la situation, mesdames et messieurs. Ah, parlons de la situation, mais sans préciser laquelle. Eh oui, laissez-moi, mesdames et messieurs, faire une brève historique comme ça de la situation, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous, il y a quelques mois, la situation, pour ne pas être pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas pour autant meilleure. Nous courions à la catastrophe et nous le savions, nous en étions conscients. Eh oui, nous pensions que la catastrophe était pour demain. Alors du coup, si je comprends bien, elle devait être pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Elle est toujours pour demain. Alors, mesdames et messieurs, je vous pose une question. Est-ce que c'est en remettant à demain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Enfin, vous savez, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bref, mesdames et messieurs, l'air de rien, nous sommes arrivés à un endroit, à un moment, où nous allons écouter aujourd'hui des gens qui ont des choses à nous dire et des choses très chères à leurs yeux, car il s'agit de leur thèse. Ils ont travaillé durement. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. L'Université confédérale de Léonard de Vinci vous présente également sa thèse en 80 secondes. 10 doctorants et doctorantes vont présenter leurs travaux en 3 minutes. C'est mon calcul que j'ai effectué ce matin, 180 secondes. 3 minutes. Donc, je vais également vous demander votre attention sur cette phrase qui est écrite en rouge tout en bas. Alors, certes, nous ne sommes pas nombreux hein, par rapport à la situation, encore une fois, en ce moment. Veuillez bien à mettre votre téléphone en mode avion ou bien de couper tout ce qui est possiblement communicatif, en fait, et de manière sonore. Parce qu'en fait, il se passe une chose, c'est que les candidats et les candidats d'aujourd'hui, une fois qu'ils auront débuter leur présentation et que le chronomètre sera en route, ils n'auront plus le droit de s'arrêter et ils ne devront pas être dérangés. Donc je vais vous demander de respecter ce moment-là et de bien éteindre vos téléphones ou de les mettre en mode avion, s'il vous plaît. Donc nous allons faire un petit déroulé de la soirée qui va être assez simple. Nous allons avoir donc des petits discours d'accueil. On va faire un petit rappel des règles et nous allons présenter le jury qui est ici devant moi. Ensuite, nous allons voir le passage des candidats. Suite à ce passage, la délibération du jury, excusez-moi, et le vote des internautes. Je viendrai bien sûr vous expliquer plus tard les détails. J'invite d'ailleurs les internautes qui n'ont pas encore validé hein, leur inscription pour le vote de le faire. Hein. Dès maintenant, il n'est pas encore trop tard. Et donc, pendant cette délibération, nous allons avoir un échange avec tous les doctorants et les doctorantes qui seront passés ce soir. Nous allons faire un échange d'environ une petite demi-heure, donc deux groupes de cinq personnes à chaque fois. Nous allons échanger ensemble. Et donc, la fameuse remise des prix pour clôturer cette soirée.
Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer ces festivités en faisant le premier discours. Et je vais appeler Madame Virginie Laval, la présidente de l'Université de Poitiers, s'il vous plaît. Bonjour madame. Alors juste, j'avais une petite question. Si j'avais un micro à prêter à madame Laval, il arrive de ce pas. Voilà. On ne va pas se mélanger non plus les micros. Hein. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. J'ai une double casquette aujourd'hui. Je suis bien Virginie Laval, présidente de l'Université de Poitiers. Mais je représente aussi Loïc Vaillant, l'administrateur provisoire de l'Université confédérale Léonard de Vinci, qui organise cette finale régionale. Donc, quand je me suis levée ce matin et que j'ai regardé mon agenda, j'ai vu que c'était la finale de cette thèse en 180 secondes et j'étais de bonne humeur toute la journée. J'ai passé un excellent moment en finale locale. J'ai vu des choses extraordinaires, des étudiants passionnés, qu'ont su nous raconter en 3 minutes chrono leur sujet de thèse à travers une vulgarisation scientifique. Il y a plein de sujets que je ne maîtrisais pas et j'ai tout compris la semaine dernière. Bref, c'est un vrai moment de bonheur qu'on va partager ensemble. Vous êtes 10 candidats. Pour moi, vous avez tous gagné, hein, vu le niveau qu'on a vu, enfin vu ce que j'ai vu la semaine dernière ou il y a 15 jours, peu importe. C'est vraiment de haut niveau. Moi, je serais incapable de faire ce que vous faites aujourd'hui. Prenez du plaisir. Et vraiment, vu la qualité des prestations que vous nous aviez proposées, tous les candidats qu'on a vus il y a 15 jours auraient dû être là aujourd'hui. Il y a forcément une sélection. J'ai appris une très mauvaise nouvelle. On me dit que la finale, finalement, n'aura pas lieu à Reims. C'est confirmé. Ça va avoir lieu à Paris. J'espère que l'Université confédérale Léonard de Vinci participera à cette finale, donc participera à la grande finale et pourquoi pas à la finale internationale. Ça va être un vrai moment de plaisir. Merci de m'inviter, de partager avec vous, étudiants, thésards, doctorants, ce moment de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous. Madame Laval, effectivement, moi je vous rejoins, je les ai vus s'échauffer cet après-midi et ce matin, effectivement, je serais bien incapable de faire ce qu'ils font. Je vais donc demander maintenant à Madame Céline Magnan de me rejoindre, sous vos applaudissements bien sûr, c'est la directrice de la Maison des étudiants de l'Université de Poitiers. Je vais vous passer le micro, il est en train de se faire nettoyer. Voilà. Bonsoir à tous. Eh bien, moi, je suis ravie d'accueillir encore cette année. On avait la finale locale, la finale de la commune Léonard de Vinci. C'est un vrai plaisir. Parce que c'est la première fois depuis un an qu'il y a une nouvelle manifestation dans cette salle, certes avec cette jauge, certes avec une retransmission numérique, mais voilà, c'est cette salle qui, malgré la situation sanitaire, a pu continuer à accueillir des formations. On a accueilli la préparation des thésards pour cette finale avec Hendrik. Ça a été un vrai plaisir. On accueille régulièrement depuis la réouverture progressive des étudiants, des masters de différentes formations. Donc voilà, c'est cette salle, c'est à la fois un lieu de croisement entre la formation, la vie étudiante, les laboratoires de recherche et tout au long le service culture de la Maison des étudiants s'attache à mener énormément de projets en lien avec tous les étudiants, dont les doctorants. Et pour preuve, encore cette année, on a accueilli une résidence d'artistes de Maxime Jeune qui a travaillé sur les émotions des chercheurs et on a pu monter des ateliers avec des doctorants. Et voilà, ce croisement entre la formation, la recherche et la vie étudiante est quelque chose qui nous est très cher à nous ici, l'équipe de la Maison des étudiants. Et donc voilà, cette manifestation-là, on est la preuve. Donc voilà, je souhaite
beaucoup de chance à tous les candidats. Et tout comme Virginie Laval, j'espère que nous aurons un candidat en finale internationale. Merci beaucoup en tout cas d'être là et bonne chance à tous les candidats. Merci à vous, Madame Magnan. Merci beaucoup, merci. Et merci pour tout ce que vous faites, effectivement, tout ce que vous pouvez faire au fur et à mesure que ça avance tranquillement. Je ne sais pas vraiment, les mots sont toujours un peu difficiles à trouver dans ces moments-là. Juste merci. Merci. Tout ce qui se passe en ce moment est très très bon à prendre. Nous allons donc maintenant faire un petit rappel des règles. Et oui, ma thèse en 180 secondes, ce sont des règles. Hein. Ce sont des règles à suivre, à respecter. Donc 180 secondes et pas une de plus. Voilà, si un ou une candidate parle une seconde de plus que les 180 secondes imparties, sa présentation est automatiquement éliminée. Alors, ce n'est pas interdit, mais en tout cas, sa présentation n'ira pas dans le vote. Donc voilà. Possibilité d'interaction avec le public, si le ou la candidate le souhaite, bien sûr. Et une seule diapositive non animée et libre de droit, bien sûr. Alors je trouve toujours un petit peu rigolo de dire diapositive, mais comme maintenant le mot un peu moderne, c'est slide, on va rester sur le français et parler de diapositive en 2021. Voilà. Donc ça, c'est le petit rappel des règles. Je pense avoir dit le principal. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Et oui, on en a parlé tout à l'heure. La demi-finale se passera nationale le 1er avril 2021 à Paris. La finale nationale le 10 juin 2021 à Paris. Et la finale internationale le 30 septembre 2021 à Paris. Tout se passe à Paris parce que du coup, effectivement, il y a eu un petit changement de dernière minute par rapport à la date de Reims. Ensuite, nous allons également avoir le vote des internautes ce soir. Le vote des internautes, ça va être un vote qui va se faire. Je vais vous laisser lire un petit peu tout ce qui se passe, parce que moi, vous savez, tout ce qui est internaute, je n'y connais strictement rien. Non, je blague à part, moi je me suis inscrit, je vais également voter ce soir. Il faut vous inscrire au préalable sur la plateforme, vous vous êtes inscrit, non, vous recevez un petit mail de confirmation. Si vous n'avez pas répondu à ce mail de confirmation, votre vote ne sera pas pris en compte. D'ailleurs, vous ne pourriez même pas y accéder. Donc, surtout, n'oubliez pas, pour les personnes qui ont encore oublié de valider cette petite réponse de mail. Voilà, donc le vote des internautes. Et il y aura également, bien sûr, le plus important, j'ai envie de dire, le vote du jury, qui est composé ce soir de Florine Ekal, la présidente du jury de ce soir. Elle est lauréate de la finale 2019. Elle est docteure en biochimie de l'Université de Poitiers. On peut l'applaudir, même si nous ne sommes pas nombreux. Faisons partager ce petit moment. Je crois de mémoire qu'on l'appelait l'inspectrice ou l'inspecteur, je ne sais plus. Enfin, j'ai un vague souvenir comme ça, on y reviendra peut-être plus tard. Il y a également Gaëlle Jarry, chargée de communication de l'ENSIL-ENSKI, Université de Limoges. J'espère que je n'ai pas trop écorché parce qu'en fait, je ne sais... Pardon ? Annecy, voilà, j'avais un doute et j'avais une chance sur deux. Bon, voilà, on peut l'applaudir également, s'il vous plaît. Nous avons également Romain Mudrac, journaliste à Le 7 Technopolitain. On peut l'applaudir également, s'il vous plaît. Joachim Brumberg, ingénieur de formation à l'IH2EF. Est-ce que c'est bien dit également ? Merci. Ah, on peut l'applaudir. On peut même l'applaudir encore plus parce qu'il vient de me faire un compliment. Et nous avons également Lydie Baudiou, maîtresse de conférence en histoire à l'Université de Poitiers, vice-présidente en charge de la culture scientifique. Sous vos applaudissements, bien sûr, Lydie. Très bien. Nous avons fait le tour des présentations, des explications. Nous allons pouvoir démarrer. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Ne criez pas trop fort. Est-ce que vous vous sentez prêt surtout à les écouter et à comprendre ? Moi, si vous voulez, j'ai compris tellement de choses depuis que je les ai vus s'entraîner que je me sens tellement intelligent, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas par où commencer. Nous allons accueillir donc la première candidate. Elle s'appelle Marine Le Poitevin. Le titre de sa thèse est « L'avenir de notre santé à travers les métabolites, cas des transplantés rénaux ». C'est à toi. Merci.
Bonjour. C'est bon. Savoir anticiper, c'est être capable de repérer les indices du futur dans une situation présente, de visualiser par avance les avenirs possibles. Eh bien, c'est autour de ces arguments que se fonde ma thèse. Comment affronter un futur incertain dans le domaine de la santé? Comment être capable de prédire par avance si cette personne développera une maladie d'Alzheimer et une autre, le rejet d'une greffe rénale? Eh bien, pour y répondre, j'avais deux options. Soit arrêter ma thèse, entreprendre une formation sur les arts divinatoires et devenir Madame Irma, soit me pencher plus sérieusement sur la question scientifique qui en découle. Mais je vous l'accorde, connaître son destin a toujours fasciné l'être humain. Du temps des Romains, les devins cherchaient la réponse dans les entrailles des animaux. Mais les siècles de progrès scientifiques nous ont permis de délaisser ces abats au profit des microscopes, grâce auxquels on a pu étudier l'objet qui m'intéresse aujourd'hui. Le métabolisme, terme familier pourtant assez difficile à définir, eh bien il représente l'ensemble des centaines de milliers de réactions chimiques qui ont lieu en ce moment même au sein de nos cellules. Pour illustrer cela, il faut voir la cellule comme une petite usine qui va être capable de créer et dégrader de petites molécules que l'on appelle des métabolites. Ces métabolites vont ainsi permettre à nos cellules de se développer, se reproduire et se maintenir en vie. Mais malheureusement, il arrive que ces métabolites puissent être contraints à des stress, perturbant le bon déroulement de notre usine cellulaire. Mon projet de thèse est là pour interroger ces métabolites, car on soupçonne que l'apparition de nombreuses pathologies est en général associée à un déséquilibre de nos métabolites. Pour cela, on récupère des prélèvements sanguins, on en collecte les métabolites, puis on les identifie et les quantifie. Ensuite vient le développement d'un outil de calcul prévisionnel. Cet outil sera capable d'établir un lien entre le déséquilibre des métabolites observé chez un patient et la pathologie qui en découle. Ainsi, nous serons capables de diagnostiquer précocement les maladies, voire prendre des mesures de prévention avant que la pathologie n'apparaisse. Dans le cas de ma thèse notamment, j'étudie le risque chez les patients porteurs d'une greffe rénale, qui sont plus à même de développer un diabète, une maladie hépatique, voire un cancer. Observer leurs métabolites permettrait donc d'avoir un coup d'avance sur les maladies. Vous l'aurez donc compris, l'avenir de notre santé ne repose pas dans une boule de cristal, mais peut se cacher précieusement dans une goutte de votre sang. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, soulagée, je suis contente d'être passée en première comme ça. Mais oui, je vais mais pouvoir, c'est ça, parce que... écouter pleinement les autres présentations. Alors moi, j'ai su que c'est toi qui avais demandé. Oui, 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 ah, j'ai demandé. La... Oui, de préférence, je préférais passer donc, en première. Allez quoi. Voilà, c'est fait, maintenant je suis libérée et prête à écouter délivrée, tout le monde. Je... Voilà, c'est ça. Et donc, oui, donc voilà, où tout le monde recule en général quand on demande qui veut y aller en premier, toi c'est... Oui, écoutez. Eh bien écoutez, en tout cas, moi, chance, je... Moi, je trouve ça incroyable. La Merci. Première, une telle fluidité, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci. Marine Le Poitevin. Au revoir. Très bien. Ah, ben ça y est, c'est parti. Donc, nous allons tout de suite continuer, si vous le voulez bien. Ça se passe bien de votre côté? Oui, dites donc. Je vais appeler Lucie Laval, qui a donc comme sujet de recherche, recherche de cassettes d'intégrons spécifiques des effluents hospitaliers de la région Nouvelle-Aquitaine. Lucie Laval, c'est à toi. Est-ce que c'est bon pour ton micro? C'est bon, on m'entend? C'est très bien, tu fais un signe, c'est quand tu veux. Ok, top. Les antibiotiques? C'est pas automatique. Vous connaissez sûrement tous ce slogan. Et pourtant, peut-être que dans cette salle, quelqu'un a déjà utilisé un antibiotique pour se soigner d'une grippe, alors que c'est inefficace. La mauvaise utilisation et la surconsommation d'antibiotiques ont fait apparaître les bactéries résistantes. Et si on continue comme ça,
le nombre de morts liées aux bactéries résistantes dépassera le nombre de morts liées à tous les types de cancers. Maintenant, quand vous regardez ceci, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai vu un peu de dégoût par là? J'ai entendu quelques rires? Eh bien, en fait, vous devriez en avoir peur. Oui, parce que c'est de là que vient le danger. À l'intérieur se trouvent des bactéries résistantes. Et ce sont elles le problème. Je vous explique. Imaginez, vous souffrez d'une infection bactérienne qui nécessite l'utilisation d'un antibiotique. Vous allez ingérer la molécule, elle va se retrouver dans votre intestin. Puis, via le sang, elle va se diffuser dans le corps pour aller agir sur le lieu de l'infection et vous soigner. Parfait. Mais l'antibiotique, il va aussi agir sur les bactéries qui sont présentes dans votre intestin. Les bactéries qui sont dites sensibles. Et elles vont laisser toute la place qu'il faut aux bactéries résistantes pour se multiplier. Puis bon, après, vous êtes humain comme tout le monde. Vous allez aux toilettes pour rejeter ceci avec les bactéries résistantes. Et qui se retrouvent où après? Dans les eaux usées, direction la station d'épuration. Et là-bas, l'eau va être traitée. Mais malheureusement, ce n'est pas efficace à 100%. On retrouve encore quelques bactéries résistantes après. Et qui va où? Dans les rivières. Et qui se déverse où? Dans la mer. Oui, oui, la mer, vous connaissez? C'est là où vous allez vous baigner l'été. C'est là aussi où le poisson que vous mangez est pêché. Et donc, par conséquent, vous vous recontaminez. Donc maintenant que vous avez compris le contexte, imaginez dans les hôpitaux toute la quantité d'antibiotiques qui y sont utilisés. Rendez-vous compte de la concentration, de la diversité des résistances que l'on retrouve dans leurs eaux usées? Eh bien, c'est là que ma thèse intervient. Son objectif est de détecter les résistances aux antibiotiques que l'on retrouve dans les eaux usées des hôpitaux. En d'autres termes, je vais dans les égouts pour récupérer ceci et faire un état des lieux de ce que les hôpitaux rejettent dans l'environnement afin d'évaluer la pollution qui potentiellement pourrait vous contaminer. Merci. Merci beaucoup. Alors, vraiment un tonnerre. J'ai jamais vu autant de personnes applaudir devant. C'est un petit clin d'œil à Florine et Cal, qui, je crois, avait un slide qui ressemblait un petit peu à ça. Très bien. Très bien, très bien. Je commence quand même à être un peu angoissé quand même avec toutes ces choses qu'on me raconte avec les bactéries, etc. Je vais devenir hypochondriaque d'ici peu de temps. J'ai remarqué que tu avais un petit badge, quelque oui. chose. Alors, un petit symbole. Et en fait, je suis quelqu'un d'hyper curieux. Et alors, c'est tout nouveau. C'est le symbole de la lutte contre l'antibiorésistance. Et en fait, c'est comme le ruban rouge pour la lutte contre le sida. Donc, c'est pareil. Donc, c'est le nouveau logo, le nouveau petit symbole qu'il faut porter fièrement pour lutter contre l'antibiorésistance. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire... ils ont bien bossé parce qu'on a failli avoir ça sur le oui, non, vaut mieux pas. C'est mieux. Non, c'est deux petits antibiotiques qui se. C'est deux petits antibiotiques. C'est mignon, des petits. On dirait des cœurs. En fait, des cœurs croisés. Ce sont deux cœurs qui s'emboîtent et qui forment deux petites pilules d'antibiotiques. C'est incroyable, moi ça y est, je fonds. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup pour cet échange. Cet échange, je vraiment très... Oh, j'ai du mal à tourner. J'étais très très riche. Merci beaucoup, on l'applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. Ah là 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 là, là. Mais pour une fois que je peux parler un petit peu de caca sans qu'on me dise « Mais arrête, t'es lourd !» Eh oui, on en profite comme on peut. Alors, donc, nous allons pouvoir continuer, bien sûr, ce passage de candidat. Et je vais appeler le troisième candidat, Jérémy Bourguet, qui a donc pour sujet la peine de confiscation dans la lutte contre la criminalité économique en droit comparé France-Angleterre. C'est bien ça. C'est un sacré programme. Je ne sais pas si je dois avoir peur ou pas. Écoutez, vous avez juste qu'à nous faire un petit signe dès que vous êtes prêt. D'accord. On m'entend ? Très bonne prestation. Oui, a priori. Merci. Bonjour, je suis chercheur en droit. Mais la première chose que j'ai cherchée quand je me suis inscrit en thèse, ça a été
un directeur de thèse. Eh bien, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé une directrice de thèse. Bon, en fait, une directrice, ça n'a pas suffi. Ben non, je fais une thèse de droit comparé. C'est quand on compare le droit dans plusieurs pays. Donc, il me fallait en plus une codirection en Angleterre. Faire du droit comparé, c'est s'inspirer des règles en vigueur à l'étranger pour améliorer le droit et la justice de notre beau pays. Un peu comme Tocqueville, quand il est parti étudier la démocratie en Amérique. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller de ce qu'il y a à l'étranger. Un exemple. Admettons que j'admire la prestance du juge anglais. Si je confisque sa perruque et je la colle sur la tête du juge français, il aura l'air ridicule. En fait, faire du droit comparé, c'est aller voir ce qu'il se passe ailleurs pour avoir un regard critique sur ce qu'il se passe chez nous. Dans plein de domaines. Je ne sais pas, moi, la peine de confiscation dans la lutte contre la criminalité économique, par exemple. Dans ce cas, on va décortiquer les lois, les décisions de justice et les statistiques judiciaires en France et en Angleterre, et puis on va comparer dans quelles conditions on peut confisquer le produit de l'infraction. Prenons un cas concret. Admettons qu'un doctorant ici présent ait plagié la thèse d'un docteur. Imaginons qu'il publie sa thèse et qu'avec tout le pognon que ça lui rapporte, il achète une maison pour ses enfants. En théorie, on peut confisquer le produit direct de l'infraction, l'argent qu'il a tiré du plagiat, mais aussi le produit indirect, la maison qu'il a achetée avec cet argent. Mais en pratique, ça pose question. Si on confisque la maison, les enfants du doctorant se retrouvent à la rue. Vous trouvez ça juste? Tout l'intérêt est de voir comment la loi anglaise protège le droit au respect de la vie familiale des doctorants pour mieux critiquer la loi française. Bon, là, c'est facile, c'est juste un plagiat commis par un doctorant. Mais imaginez qu'il s'agisse d'une contrebande de vaccins organisée par un laboratoire pharmaceutique entre la France et l'Angleterre, qui a commencé avant le Brexit et continue après le Brexit, et dont le produit a été blanchi dans la fabrication de masques anti-Covid. Ça en fait des questions à se poser. Comment confisquer les vaccins en Angleterre? Comment rapatrier les vaccins après le Brexit? Etc, etc. Et comme les Anglais ont pris de l'avance sur ces questions, pour trouver des réponses, on n'applique la méthode du... Ça fait 160 secondes qu'on bosse là-dessus. Oui, du droit comparé. Il ne s'agit pas de confisquer des perruques, mais de voir comment les procureurs anglais luttent contre cette criminalité et pourquoi pas leur piquer une idée. De vous à moi, aux Anglais. C'est bien la seule chose qu'on leur piquera. Bravo, bravo. Hop, on reste là. Je vous en prie, Jérémy, voyons, restez à côté de moi. Alors, oui. C'est un petit peu seul en droit, là. Vous vous sentez pas un petit peu entouré de scientifiques comme, c'est un peu bizarre, non? Mais moi aussi, je suis scientifique. Ah. Je pratique les sciences molles, même douces, pour reprendre la formule d'un précédent vainqueur de ma thèse en 130 secondes. Donc voilà, avec la méthode certainement similaire, même si je ne les pratique pas aux sciences dures. D'accord. Alors je ne savais pas qu'on pouvait dire sciences molles et sciences dures déjà. Mais écoutez, je vais pouvoir essayer de le placer avec mes beaux-parents dimanche prochain au dîner. Faites-le après 4. Le Dijon peut-être, ça passe. Après le Dijon, ça passe mieux. Alors sciences molles, non, ça ne marche pas. Donc très bien, en tout cas, félicitations, mais j'ai l'impression que ça balance un petit peu quand même, hein. Ça balance. Ah, ça balance. Hein. Vous, quand on vous laisse 180 secondes, ça commence à balancer. Et puis alors, on piquera que ça aux Anglais, etc. Ouais, non, c'est, ça y va. Hein. C'est de bonne guerre. C'est bien. Très bien. On l'applaudit encore bien fort, s'il Merci. Vous plaît. Mais qu'est-ce que je passe du bon temps. Oh là là. Ça, est-ce que ça se passe toujours bien? Alors, je m'adresse également à ceux qui nous regardent. Hein. Il y a à peu près 130 personnes, je crois, à peu près, qui sont connectées actuellement. Et on a 400 personnes qui se sont inscrites pour le vote des internautes. Alors, je vous félicite, hein, bien sûr, déjà. Et n'hésitez pas à en parler à ceux qui ne sont pas connectés autour de vous pour venir nous rejoindre sur le live actuellement. Est-ce que ça va toujours, donc? Oui. Très bien. Oh là là, on se croirait à un concert des Hard Rock. C'est incroyable, cette folie furieuse. Heureusement que j'ai les cheveux courts parce que, bon. Bref, nous allons donc appeler la quatrième personne qui est une candidate, Maya Emmer, qui a donc pour sujet photodégradation des contaminants organiques de l'eau par l'intermédiaire d'une phénalénone supportée. Oh, ça me faisait tellement peur ce mot. Alors, je te laisse, tu nous fais un petit signe dès que tu es prête. Est-ce que tu peux me dire d'abord si c'est OK pour voir si le micro fonctionne? Oui, c'est Superbe. OK. Superbe. C'est à toi.
Aujourd'hui, on sait tout ce qu'il n'y a pas de secret. Pour être en forme, il faut faire du sport, manger sain et boire suffisamment d'eau. Mais qu'en est-il de la qualité de l'eau que nous buvons ? Est-ce que vous savez que dans un verre d'eau, des substances chimiques ont été détectées ? Comme le fameux médicament qu'on prend tous parce qu'on a mal à la tête ? Ou des pesticides utilisés en agriculture ? Vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait ? L'eau avant d'arriver dans nos robinets, elle est traitée. Tout à fait, cher public. Sauf que ces substances sont sournoises. Quand elles sont rejetées dans l'environnement, elles sont diluées, carrément noyées dans les milieux aquatiques. Donc difficile de les traiter à de faibles concentrations. Et c'est ainsi qu'elles réussissent à s'échapper des mailles des filets des traitements conventionnels. L'idéal serait de les traiter directement à la source, là où elles sont présentes en grande quantité. Et c'est là qu'intervient ma thèse, dont l'objectif est de développer un procédé de décontamination de l'eau qu'on placerait directement à la source et qui soit pas cher, facile à mettre en place et qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Pour ce faire, nous avons engagé l'agent Paul. Phénalénone, oxygène, lumière. Rassurez-vous, le principe est simple. Sous l'effet de la lumière, la phénalénone est excitée et libère beaucoup d'énergie. Cette énergie s'associe à l'oxygène présent naturellement dans l'eau et forme un oxydant puissant capable de casser ces substances en petits morceaux inoffensifs. Comme tout processus de développement, j'ai commencé mon étude à l'échelle du laboratoire. J'ai d'abord validé l'utilisation de la phénalénone dans un contexte de traitement de l'eau. Ensuite, pour qu'elle ne se sauve pas et qu'on puisse la recycler, nous l'avons attachée sur de l'argile et du sable. Des matériaux abondants et pas chers. Et c'est ainsi que nous avons pu réaliser plusieurs cycles de traitement avec le même matériau. Enfin, nous avons transposé le procédé de l'échelle du laboratoire à une plus grande échelle. Et c'est ainsi que Paul a pu traiter en continu plusieurs centaines de litres. Aujourd'hui, la réglementation en France quant aux concentrations des médicaments et des pesticides rejetés dans l'environnement est assez stricte. Mais dans des pays où le contexte juridique et économique est différent d'ici, je vous laisse imaginer tous les rejets industriels et hospitaliers qui sont déversés directement dans l'environnement. Un tel procédé représenterait un bon compromis pour ces pays, car pas cher, facile à mettre en place, et puis dans le futur, Paul, directement sous le soleil, pour une énergie 100% propre. Vous l'aurez sans doute compris, après maturation de ce procédé très prometteur, éliminer ces substances se fera en moins de 180 secondes. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maya. Ben, de rien. Ça va ? Oui, alors, ça va mieux. Un tout petit peu, voilà. Alors, oui. Maya, toi, tu as soutenu, tu es docteur. Tout à fait. Tu es docteur depuis novembre 2020. Depuis novembre 2020, tout à fait. Vous avez les infos. Hein. Ah, mais je me renseigne. donc, tu as soutenu. Et ouais. Quelle est la suite ? Ah, la suite, je vais me mettre à côté de Paul sur le transat tranquillement. Alors, il faut faire attention parce que la suite d'un doctorat, des fois, il y a un autre Paul qui rentre en jeu. C'est Pôle emploi et il faut faire attention de ne pas le rencontrer trop souvent, celui-ci. Rassurez-vous, je suis maintenant en post-doc et justement, on travaille sur la maturation de ce procédé-là. Donc, l'avenir est tout tracé. Donc, ça continue et pour améliorer justement ce procédé. Et pourquoi pas éliminer en moins de 180 secondes ces méchantes substances. Ah non, mais moi, je vous souhaite que du bonheur, bien sûr, et d'éliminer, bien sûr, toutes ces méchantes substances. Moi, je suis bien incapable de le faire. Mais en tout cas, merci encore. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Maya. Merci. Merci beaucoup. Eh oui, c'est vrai que moi, c'est le mauvais Paul que je rencontre plus souvent en ce moment. Mais en tout cas, grâce à Maya... Ça y est, la vision d'un Paul plus sympathique. Nous allons tout de suite continuer. J'arrive plus à parler, c'est incroyable. J'ai pas bu assez d'eau pendant qu'elle nous racontait, parce que j'étais complètement absorbé. La cinquième personne, on arrive à la moitié des candidats. Donc c'est Linda Tlili. Bonjour. Qui a donc pour sujet stress, antibiotiques et acquisition de résistance aux antibiotiques pour... Non, par les intégrons en biofilm. Excusez-moi, c'est des mots que j'avais jamais encore prononcés de ma vie. Ça m'arrive de les écorcher. Est-ce que tu peux me dire un petit OK pour me dire oui, si... Oui, OK. C'est ah, bon. C'est parfait. Dès que tu es prête, fais-nous un signe. Bon.
Je suis sincèrement désolée, mais aucun antibiotique ne pourra guérir votre infection. Cette phrase, 12 000 Français l'ont entendue l'année dernière et malheureusement ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Alors vous entendez parler de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et pourtant, je ne suis pas sûre que cela vous inquiète vraiment. Eh bien, vous devriez, car aujourd'hui, on peut tous être concernés. Tout être vivant, quand il est attaqué, il se défend. C'est un processus naturel. Eh bien, les bactéries n'échappent pas à la règle. C'est exactement ce qu'elles font vis-à-vis des antibiotiques et qu'on appelle antibiorésistance. Mais les bactéries ne sont pas égoïstes. Elles partagent leur stratégie de défense avec leurs familles, amis et même des inconnus. Elles en font profiter tout le monde. Alors imaginez maintenant ce qui se passe si cet échange se fait entre des millions, de millions, de milliards de bactéries sur Terre. Eh bien, on se retrouve envahi de super bactéries résistantes à tous les antibiotiques qui pourront à tout moment vous infecter. Alors aujourd'hui, il y a urgence, il faut trouver des solutions. J'entends déjà vos réactions. Trouver de nouveaux antibiotiques plus efficaces? Oui, c'est une bonne idée. Mais il faut savoir que le développement d'un médicament, ça prend 15 ans en moyenne. Et dès qu'il sera sur le marché, les bactéries trouveront de nouveaux moyens pour se défendre. Donc, retour à la case départ. Pour préserver l'effet des antibiotiques face aux bactéries, la solution, elle pourrait se trouver tout simplement chez les bactéries elles-mêmes. C'est exactement le but de ma thèse. J'essaye de comprendre comment les bactéries partagent leur stratégie de défense entre elles, comment elles pensent, comment elles réagissent. Je suis en quelque sorte leur psychologue. Alors je m'explique. Imaginez que vous êtes dehors avec des amis. Ils se mettent à pleuvoir, vous sortez votre parapluie pour vous protéger. C'est normal, vous n'avez pas envie de vous mouiller. Et puisque les bactéries aussi, elles vont être exposées aux antibiotiques là, elles vont se sentir en danger. Et donc, pour se protéger, elles vont ouvrir leur parapluie et le partager avec d'autres. Et là, l'antibiotique ne peut plus agir. Le but de ma thèse, c'est de comprendre comment les bactéries ressentent ce danger et ce qui les pousse à ouvrir leur parapluie et le partager avec d'autres. Une fois on l'aura compris, on pourra développer des stratégies nouvelles pour qu'en présence d'antibiotiques, les bactéries ne se sentent plus en danger et donc ne sortent plus leur parapluie. Et là, l'antibiotique pourra enfin agir. Mais en attendant, rappelez-vous, l'utilisation des antibiotiques, c'est seulement quand il le faut et ce n'est surtout pas automatique. Merci. Merci beaucoup, Linda. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis désolé, mais comment ça se passe une psychanalyse avec une bactérie? Alors, c'est très compliqué parce qu'elles sont pas très coopératives. Au début, il faut bien tenter de parler avec. Du coup, il faut un petit canapé pour qu'elle s'allonge sur le petit canapé de psychanalyse. Un tout petit. J'en ai plein dans le labo, mais par contre, ouais, maintenant c'est bon. Je suis leur meilleure conseillère. Elles viennent me voir. C'est vrai. Oui, tout le temps. Mais ça vient souvent de l'enfance, hein. Les bactéries mauvaises comme ça, c'est une mauvaise. Voilà, il faut bien il faut être gentil avec elles. Elles seront gentilles avec nous, donc. Les clichés nous tiennent bien à la peau. C'est bien ça, hein. On a fait tous les clichés possibles sur la psychanalyse, comme ça maintenant on peut passer à autre chose. Non, en tout cas, merci beaucoup. Alors, moi je suis hyper content à chaque fois d'apprendre plein de choses, mais c'est quand même c'est oppressant quand même de savoir que les antibiotiques ne nous soignent pas spécialement. J'entends tout ce qui vient de se dire, c'est tout à fait normal et c'est très très bien que les gens bossent là-dessus. On se bat tous pour tous. Ouais. Mais vraiment, continuez à vous battre, hein, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de monde qui se bat. Je vous demande de continuer à vous battre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, bon, alors, il va falloir faire attention à nous quand même quand on va sortir, hein. Parce qu'il y a beaucoup de dangers qui rôdent autour de nous, dans l'eau, c'est partout. Donc nous allons accueillir le sixième candidat. C'est Paul Dekit. Son sujet, c'est analyse de données multiparamétriques RMN pour la neuronavigation et l'aide au diagnostic. Est-ce que c'est juste? C'est bien ça. Très bien, merci beaucoup. Donc j'ai entendu que le micro fonctionnait. C'est bon, le micro marche? Oui, d'accord. Paul, tu nous fais un petit geste. D'accord. Et c'est à toi. Merci beaucoup. En fait, j'ai un problème. C'est que j'adore faire des blagues. Mais mon sujet de thèse, il n'est pas drôle. Si je vous fais un axe du fun,
Là, on est là, on passe un bon moment, il y a des petits sketchs et c'est sympa. Eh bien, moi, je travaille sur des tumeurs cérébrales qui touchent des enfants et des jeunes, parfois de mon âge. Et à la fin, ils vont mourir. Et le pire, c'est qu'ils ne le savent pas parce qu'ils sont souvent pas diagnostiqués à temps. C'est une tumeur qui a deux phases d'évolution. Dans la première, elle envoie des petites cellules un peu partout dans le cerveau et elle va coloniser le cerveau. Mais pour le patient, il n'y a pas de symptômes. Et donc, la personne ne sait pas qu'elle est malade. Puis dans un second temps, ça s'accélère. Et toutes les petites cellules qui ont été envoyées, c'est comme de la dynamite. Et la blâme, ça fait des trous dans le cerveau. Et pour le patient, il reste 2 ans de survie. Alors c'est difficile comme nouvelle. Donc quand le patient arrive à l'hôpital, pour la première fois, on veut savoir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut encore l'opérer chirurgicalement ou est-ce que... C'est trop tard. Et pour cela, il passe un examen IRM. On montre les images à un radiologue. Le radiologue regarde les images, il fait un calcul un peu compliqué dans sa tête et il est capable de poser son diagnostic. Moi, ça m'intéresse. Je suis informaticien, je fais de l'intelligence artificielle et j'aimerais beaucoup copier le calcul compliqué du radiologue pour en faire un algorithme qui serait capable de prédire l'évolution du patient. Mon travail de thèse a commencé en allant observer les radiologues. Je leur ai montré des images un peu partout en France et j'ai regardé, tiens, ils regardent la forme, la texture, le contraste, la couleur. J'ai pris ces critères et je les ai traduits en langage informatique pour créer mon algorithme qui maintenant est capable de prédire l'état du patient. Donc quand je raconte ça aux gens, les gens me disent « Non, mais en réalité, ton intelligence artificielle est là pour remplacer le radiologue. Tu veux nous faire des algorithmes robots qui nous diagnostiquent des cancers ?» Soyez rassurés, car mon algorithme fait des erreurs. J'en entends beaucoup qui rigolent, mais le radiologue aussi fait des erreurs, car l'erreur est humaine. Et quand je croise l'analyse de mon radiologue et l'analyse de mon intelligence artificielle, je peux m'être plus précis pour le patient et lui sauver jusqu'à 20 ans de survie. Alors vous imaginez, quand on a cette nouvelle terrible, quand on dit 20 ans de survie pour le patient, ça, c'est pas de la blague. Merci. Merci Paul. Ah là là. Alors moi j'adore les blagues, mais alors toi aussi tu es docteur. Je suis docteur depuis le 5 février. Eh oui, depuis février 2020, tu as soutenu, tu es docteur, félicitations. Merci beaucoup. Et toi, tu t'aimes le risque par contre. J'aime un peu le risque. Toi, t'es un foufou. Et du coup, là c'est déjà quelque chose de difficile à faire, ce que vous faites ce soir. Mmh. Et toi, en plus, tu te rajoutes de l'improvisation. Je me rajoute des contraintes d'improvisation. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit un texte réellement, j'ai des paragraphes avec des thèmes qui s'enchaînent et des routines que j'enchaîne en fonction de ce qui me vient sur l'instant, parce que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressant pour la fluidité du texte. Et risqué. C'est plus risqué, mais l'optimisation sans contrainte, c'est le champ de l'intelligence artificielle. Non, mais c'est beau. Alors, il vient de me sécher, là. Et donc, mais bravo. Alors, là, ce soir, qu'est-ce que tu nous as fait ? T'as placé quelque chose ? Il y a eu un petit instant qui a été intéressant entre aller chercher le radiologue et l'intelligence artificielle, qui a fait un déplacement qui était intéressant au niveau du corps que je n'avais pas avant, parce que la scène est plus large, et donc ça permet de faire ce genre de choses. Effectivement. Et donc, c'est intéressant de voir après comment on s'adapte à un environnement qui est différent. Vous pouvez retrouver Paul De Kitt au Stade de France pour son prochain spectacle, son prochain one-man show avec une très grande scène où il va faire de multiples personnages. Voilà. Félicitations, bravo, on peut l'applaudir encore bien fort s'il vous plaît. Merci. Merci à toi. Merci. Allez, j'ai beau faire le malin avec mon micro, je serais incapable de vulgariser la science aussi facilement qu'eux. Je sais pas, ça vous paraît simple ou pas ? Non, c'est pas simple du tout, on est d'accord. Moi, il m'impressionne. Nous allons appeler la 7e personne. J'ai nommé Maëlig Patrigeon, qui a donc pour sujet étude du transfert de l'alpha-synucléine de l'hôte vers le greffon dans la maladie de Parkinson. C'est tout bon. Oh, je suis trop content. Merci beaucoup. Tu nous fais un petit signe quand tu es prête. Okay. Bonne chance à toi. Alpha-synucléine.
C'est un joli nom, vous ne trouvez pas? Comme vous vous apprêtez à devenir intime, allez-vous, vous pouvez l'appeler Sissi. Et si je vous disais maintenant que Sissi est une envahisseuse en puissance? Attention, je vous parle ici d'un vrai colonisateur, comme on n'en fait plus. Laissez-moi vous expliquer. Sissi est une protéine qui, chez vous et moi, participe à la transmission du message nerveux dans notre cerveau. Cependant, il lui arrive parfois de changer de forme. À la Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous voyez? C'est justement le cas dans la maladie de Parkinson. Bon, commençons par le début. Parkinson, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie dite neurodégénérative qui prive progressivement les malades de leur motricité. Cela peut commencer par de simples tremblements au niveau d'une main, puis les troubles s'étendent jusqu'à priver la personne de la marche et du langage. Ces symptômes sont dus à la mort de certaines cellules du cerveau, plus précisément par la mort des neurones produisant la dopamine. On trouve également dans le cerveau des malades le grand méchant de notre histoire, notre fameuse Sissi. Le problème, c'est qu'elle a une forme différente de celle que l'on trouve habituellement dans notre cerveau. Mr. Hyde, vous vous souvenez? Eh bien, cette différence de forme entraîne son accumulation à l'intérieur des neurones à dopamine. Cette accumulation est toxique pour les neurones et peut entraîner à terme leur mort. Bon, à ce stade, nous avons bien compris que Sissi peut être dangereuse. Mais alors, pourquoi la considérer comme une envahisseuse? Patience, tout vient à point. À qui sait attendre? Une des manières possibles de traiter Parkinson consiste à greffer de nouveaux neurones à dopamine afin de remplacer ceux qui ont été détruits. Le problème, c'est que quelques années seulement après la greffe, on a découvert, à l'intérieur des neurones greffés, notre fameuse Sissi. Vous la voyez l'envahisseuse maintenant? Si vous vous rappelez du lien entre la présence de Sissi et la mort des neurones, il est clair que cette découverte est loin d'être une bonne nouvelle. Comprenez bien, ces neurones greffés sont censés vivre de nombreuses années pour nous garder en bonne santé. S'ils sont détruits, les symptômes parkinsoniens pourraient bien revenir au galop. Laissez-moi utiliser une image qui parlera à tous. Disons que Sissi est un César, assoiffé de conquêtes et n'ayant pour seul but que de soumettre de nouvelles contrées. À l'opposé, les neurones greffés représentent un village de Gaulois, robuste, mais loin d'être assez irréductible pour empêcher le terrible César d'envahir le village et d'anéantir ses habitants. Le but de ma thèse est d'étudier pourquoi et comment notre Sissi à la couronne de laurier colonise les neurones greffés. Pour cela, je ne peux évidemment pas me glisser dans le cerveau des malades. J'utilise donc des souris. Je leur injecte d'abord un virus qui les rend parkinsoniennes, puis je leur greffe de nouveaux neurones afin d'étudier le comportement de Sissi. Ce projet de thèse, qui colonise avant tout mes jours et mes nuits, permettra, je l'espère, de développer une nouvelle approche thérapeutique contre Parkinson. En d'autres termes, j'apporte ma petite pierre à l'édifice de la science afin qu'un jour, un futur chercheur de cette Sissi, tu ne passeras pas! Bravo, bravo Maylig. Tu ne passeras pas. Très bien. Alors là, j'ai eu plein d'images, hein, entre Sissi, Astérix. Enfin, c'est pas du tout les images que j'avais étant enfant, hein. Mais bon. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as apporté, toi, ma thèse en 180 secondes? Bah, MT 180, c'est un challenge sur plein de points de vue, mais le mien, enfin, de mon point de vue, le plus important, c'est que ça m'a aidé dans ma confiance en moi et je suis un petit peu plus indulgente avec moi-même avec le temps. Au fur et à mesure des répétitions, j'ai vu ma progression et ça m'a beaucoup aidé. Donc, je conseille à tous ceux qui ont un petit manque de confiance en soi au début, ça booste. Alors oui, bah déjà, on peut l'applaudir, effectivement. Je ne sais pas comment tu étais avant, mais en tout cas, là, il y a une fluidité qui est assez incroyable. Tout ce que j'ai à dire, c'est que oui, je vous conseille également de le faire, mais quand même, pour en arriver là, il y a quand même des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Donc attention, on l'applaudit encore bien fort, Maëlic, s'il vous plaît. Merci. Elle le mérite. Nous allons accueillir la huitième personne qui est Lama Salé, qui a pour sujet. Lâcher. Parce qu'il y a quand même des mots que j'ai découverts aujourd'hui, hein. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Dégradation des alkyles perfluorés et polyfluorés en milieu aqueux par traitement combiné osmose inverse basse pression, absorption et électrooxydation. C'est simple, non? C'est très simple. C'est tellement simple que je vais prendre un Doliprane. Tu nous dis un petit mot, un petit geste, pardon, dès que c'est tu bon. Es prête. Okay. Merci beaucoup et bonne chance à toi. Je suis sûre que vous vous souvenez de votre mère, lorsqu'elle rentrait du marché, contente d'avoir acheté une poêle non adhésive et de ne plus rester 30 minutes à frotter afin d'éliminer le reste de la nourriture collée au fond.
ou de votre sœur, avec sa nouvelle veste imperméable avec laquelle elle se baladait sous la pluie sans se mouiller. Mais est-ce que vous connaissez qui est le héros qui a apporté la joie pour la famille? Je vais vous le dire. C'est le téflon qui rend vos casseroles anti-adhésives. C'est le Gore-Tex qui rend votre veste imperméable mais respirante. Tous ont un point commun. Ils ont été fabriqués par des substances perfluoroépaules et fluoroalkylées. Ok, laissez tomber. On va les nommer les PFAS. P-F-A-S. Oui? Oui, ça c'est plus simple. Donc les PFAS sont issus de liaisons robustes entre le carbone et le fluor, ce qui leur confère une bonne résistance à la chaleur et une durée de vie extrêmement longue. Mais les propriétés mêmes, qui peuvent rendre les PFAS assez utiles, les rendent également indestructibles dans les conditions naturelles. C'est pour cela qu'ils se retrouvent partout dans l'environnement, même dans l'eau potable et le sang humain. Et ces PFAS peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine, comme le cancer. C'est pour cela que les normes de qualité des eaux potables ont été renforcées aujourd'hui. Donc l'objectif de ma thèse est d'optimiser une filière de traitement d'eau contaminée par les PFAS en limitant l'impact sur l'environnement. Donc le plan est d'associer trois procédés successifs de traitement des eaux. Le premier procédé est la membrane. Une membrane est un filtre fin à travers lequel l'eau contaminée est injectée. Donc l'eau traverse la membrane et sera purifiée. Tandis que le concentrat, qui est formé de restes de l'eau, avec les PFAS retenus par la membrane, au lieu de rejoindre la rivière, comme dans le cas aujourd'hui, va être envoyé au second procédé, qui est l'adsorption. Dans cette étape, le concentrat sera mélangé avec des petits grains assez fins, comme la semoule. Donc les PFAS vont venir se coller sur la semoule. Et avant de finir cette étape, ces derniers vont être exposés à la vapeur, comme dans une cocotte minute. Donc à grande pression, les PFAS se séparent des grains, passent dans la vapeur, se condensent pour redevenir liquide. En arrivant finalement au troisième procédé, qui est l'électro-oxydation. Et dans cette étape, des molécules oxydantes sont rajoutées, un courant électrique est créé, qui leur permettent de dégrader les PFAS en fluor ou en petites chaînes moins nocives. Donc là, je vous ai exposé ma théorie et le plan d'action. Il me reste 3 ans pour bosser, essuyer, afin de combiner ces 3 procédés et de réussir à éliminer ces PFAS de notre vie. Merci. Bravo! Bravo Lama, bravo! Alors, en fait, tout notre petit confort du quotidien fait qu'on est en train de polluer la planète, c'est génial. Donc du coup, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais pourquoi as-tu décidé, toi, de traiter ce sujet? Enfin, de vraiment de l'approfondir et d'y bosser vraiment à fond En fait, ces substances sont initialement produites pour améliorer la qualité de plusieurs produits. Comme il y a un exemple que je n'ai pas mis dans ma présentation, c'est la mousse des incendies qui est un grand exemple d'épiphase et c'est la source importante de la contamination des eaux souterraines. Donc, de traiter ces sites pollués, c'est techniquement difficile et très coûteux, mais si on ne le traite pas, elle ne cesse pas d'accumuler dans l'environnement, dans nos aliments et dans l'eau potable. Et donc, c'est à nous de faire un procédé, d'optimiser les procédés, trouver un procédé qui est moins coûteux, avec une énergie petite, pour en fait enlever ces produits. Bravo, bravo vraiment. Il y a un vrai, il y a en plus d'une recherche, il y a un vrai combat qui est très très beau. Je tiens également à signaler que Lama n'est que depuis 5 mois en France. Juste, on peut la féliciter aussi sur son français impeccable. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Moi, à l'inverse, j'aurais pas été capable de parler aussi bien arabe. On en a parlé tout à l'heure. Nous allons appeler le 9e candidat. Le 9e candidat, il se nomme Gustave Mabiama et son titre, c'est l'évaluation de l'état nutritionnel des personnes âgées au Cameroun ainsi que des facteurs associés. C'est bien ça ? C'est bien ça. Test micro, écho, son. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il faut juste un petit geste pour démarrer le chrono. Je te souhaite une belle prestation. You are welcome, chief. Ah, mais avec plaisir. Test, micro, écho, son.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis Gustave Mabiama, d'origine et de nationalité camerounaise, un pays d'Afrique centrale d'environ 475 000 km² et de près de 23 millions d'habitants. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter ici, aujourd'hui et maintenant, ma thèse portant sur l'état nutritionnel des personnes âgées au Cameroun et facteurs associés. Le vieillissement, aujourd'hui, c'est eux. Demain, c'est nous. Le vieillissement est donc universel et touche toutes les races. Le vieillissement est endogène, c'est-à-dire qu'il se produit en nous. Le vieillissement est progressif, c'est-à-dire qu'il s'installe avec le temps. Le vieillissement est malheureusement dégénératif, c'est-à-dire qu'il conduit à la dégradation de notre corps, ce que vous et moi redoutons le plus. Le vieillissement au Cameroun est de 5%. Mais cependant, l'état nutritionnel des personnes âgées est mal connu. Une seule étude conduite en 2004, exclusivement en zone rurale et dans une région sur 10, avait trouvé qu'une personne sur 4 était malnutrie, soit par excès, c'est-à-dire obèse, soit par défaut, c'est-à-dire dénutrie. En 2020, nous avons conduit une étude en zone urbaine et en zone rurale, dans 10 régions sur 10, et avons trouvé qu'une personne sur 2 était malnutrie. Aïe, 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 soit par excès, soit par défaut. Qu'une personne sur 4 présentait des troubles liés aux activités de la vie courante, telles que marcher, s'habiller, se laver. Qu'une personne sur 4 souffrait soit de dépression, soit de troubles de la mémoire. Et enfin, qu'une personne sur 3 avait une faible fréquence de consommation alimentaire caractérisée par des sauts de repas, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de santé. Nous n'allons pas pleurer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les données ainsi collectées permettront l'élaboration et la mise en œuvre de politiques appropriées, adaptées et ciblées pour, d'une part, améliorer la qualité de vie des personnes âgées, nos papis et nos mamies, et, d'autre part, préparer la jeunesse à un vieillissement réussi, votre défi, notre défi à tous. Sur ce, je vous remercie. Merci Gustave. Merci. Ça va ? Comment ça se passe ? Comment tu te sens après cette petite prestation ? Comme un déconfiné démasqué. Alors, j'ose pas imaginer à quel point il est heureux. Hein ? À quel point il est heureux, parce que déconfiné, démasqué, alors là, c'est incroyable. Merci en tout cas, merci pour cette prestation. Ça nous a fait tellement apprendre de choses. Moi, vous m'impressionnez. Encore une fois, on l'applaudit bien fort, Gustave, s'il vous plaît. Ah, déconfiné, démasqué, mais c'est... C'est dommage, mais maintenant, on associe cette sensation à un fantasme. C'est quand même incroyable. Nous allons accueillir la dernière personne, le dernier candidat. Et oui, déjà, vous pouvez être déçu. Oh, quelle spontanéité. Merci. Donc, il s'appelle Clément Paulin. Clément Paulin a pour sujet les comportements volontaires répétitifs dans l'amnésie antérograde. Tout à fait. Ben ouais. Mais ils me sortent des mots. Alors donc, tu nous fais un petit signe lorsque tu es prêt. Je te souhaite une très belle prestation. Et merci. À tout à l'heure. Si demain, notre mémoire devait s'arrêter de fonctionner, toutes les actions que l'on ferait, les propos que l'on tiendrait, tout ça finirait par tomber dans l'oubli en l'espace de quelques minutes. Certaines personnes vivent véritablement cela au quotidien. Alors, rassurez-vous, généralement, c'est en raison de graves ennuis de santé. La plupart du temps, à cause de la maladie d'Alzheimer, on dit qu'ils sont amnésiques. Je me suis posé la question suivante. Pourquoi, si demain, notre mémoire devait s'arrêter de fonctionner, on se mettrait à avoir des comportements répétitifs? C'est ce qu'on observe chez ces patients. C'est ce qu'on appelle couramment le radotage. « Dis donc, fiston, est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de ma rencontre avec ta grand-mère ?
Oui, papy. Peut-être à peu près à 150 reprises. Je pense que si tu me la racontes encore une fois, c'est mon âme tout en entier qui tombe dans le néant. Et je ne serai plus qu'une coquille vide, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Alors que je me promenais aux abords du marché... Pourquoi leur cerveau semble décidé à se mettre en boucle? Pourquoi c'est toujours une même idée qui revient? Est-ce que c'est la maladie qui provoque cela? La maladie de l'idée fixe? Non, a priori, quand une maladie de la mémoire débute, bah, au niveau du fonctionnement du cerveau, c'est que la mémoire qui est touchée. Et comment ça se manifeste? Bah, par des comportements répétitifs. Faut prendre des notes, les copains, là. Alors, pour la plupart des patients, certains ne répètent pas. Mon travail de thèse, dans un premier temps, ça va être de montrer les différences qui expliquent que certains patients qui sont amnésiques répètent, tandis que d'autres, qui sont aussi amnésiques, ne répètent pas. Dans un deuxième temps, j'aimerais montrer qu'on peut faire répéter les patients quand on leur présente une même tâche à effectuer à plusieurs reprises, comme par exemple compléter des débuts de phrases, parler mots de leur choix, mais voir si d'un jour sur l'autre, c'est toujours les mêmes mots qu'ils vont redire. Enfin, en filigrane, j'aimerais toucher du doigt quelque chose. Est-ce que la maladie de la mémoire ne nous permettrait pas de mieux nous comprendre, nous, humains? Quand notre mémoire nous dit ce qui s'est passé dans un passé proche, est-ce que finalement, c'est pas ça qui créerait l'illusion de la liberté? De choisir, de dire, de faire? Quand vous faites une action, que vous vous en souvenez parce que votre mémoire, elle marche, mais que vous regrettez, est-ce qu'à cet instant précis, vous ne vous êtes jamais dit que vous pourriez faire autrement? La liberté de faire autrement. Si seulement je pouvais revenir en arrière, mais je ferais les choses différemment. Ben oui, mais quand il y a une maladie de la mémoire, c'est toujours un même mot qui est répété, c'est toujours un même comportement. Nous, avec notre mémoire qui marche, est-ce que les comportements, les actions qui nous viennent, on peut vraiment les choisir? Est-ce que ce n'est pas notre cerveau qui nous donne l'idée qu'il faut au moment où il faut? Si seulement je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses exactement de la même façon. Merci beaucoup, Clément. Merci. Alors, moi, j'aimerais bien refaire des choses différemment aussi. Bref. Alors, est-ce que c'était pas trop long pour toi? Parce que t'es quand même un petit peu le dernier à passer. Le stress monte en fait graduellement en fonction de l'attente. On est bien d'accord. Hein. Mais bon, là, ça fait du bien, c'est passé. Ça y est? Oui. T'es content? Oui. Bon, en tout cas, tu peux l'être, sans aucun problème, vraiment. Oui, parce qu'en plus, tu viens de Limoges. C'est ça. Donc pour toi, la journée a commencé depuis bien plus longtemps que pour certains. Ouais, puis ça va finir. Et ça va finir aussi beaucoup plus tard. T'as ton attestation, j'espère. Oui. Ah, très bien. J'ai ce qu'il faut, j'ai le masque, c'est tout. Ça te coûterait cher, sinon, la balade. En tout cas, on l'applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. C'était le dernier candidat de ce soir. Merci. Enfin, de ce soir, de cet après-midi. Toujours, dès qu'on a toujours envie de dire ce soir. Et non, nous sommes en bel après-midi. Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez vu nos 10 candidats et candidates. J'espère que vous avez pris du bon temps. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez retenu des choses également. Ça va être le moment le plus difficile maintenant. Ça va être le moment de la délibération. La délibération du jury. Je n'aimerais pas être à votre place, tout simplement. Parce que moi, je vais voter pour une personne. Et vous, il va falloir choisir une personne avec vos choix, vos avantages, inconvénients. Vous allez faire ce travail correctement. Et je vais tout simplement vous parler maintenant, parce que donc il y a la délibération du jury, mais il y a également le vote des internautes. Et est-ce que je peux avoir, excusez-moi, le slide sur le vote des internautes? On l'aura tout à l'heure. Je vais donc refaire un petit... voilà. Pour le vote des internautes, n'oubliez pas de vous connecter donc sur question.direct/CPU pour pouvoir voter. Le lien va être ouvert dans très peu de temps. Il est déjà ? Il est ouvert. Le lien est ouvert, donc c'est bon, on peut y aller. Vous pouvez commencer à voter sur le net. Et donc, nous avons ici les 10 candidats. Les 10 candidats qui sont passés devant vous. Nous allons faire donc un petit rappel. En numéro 1, nous avions Marine Le Poitevin. L'avenir de notre santé à travers les métabolites cas des transplantés rénaux. En numéro 2, nous avions Lucie Laval. Recherche de cassettes d'intégrons spécifiques des effluents hospitaliers de la région Nouvelle-Aquitaine. Le candidat numéro 3 était Jérémy Bourguet. La peine de confiscation dans la lutte contre la criminalité économique en droit comparé France-Angleterre.
La candidate numéro 4, Maya Emmer. Photo dégradation des contaminants organiques de l'eau par l'intermédiaire d'une phénalénone supportée. En numéro 5, Linda Tlili. Stress antibiotique et acquisition de résistance aux antibiotiques par les intégrons en biofilm. En numéro 6, Paul Dekit, analyse de données multiparamétriques RMN pour la neuronavigation et l'aide au diagnostic. En numéro 7, Maëlig Patrijon, étude du transfert de l'alpha-synucléine de l'hôte vers le greffon dans la maladie de Parkinson. En numéro 8, Lama Salé, dégradation des alkyles perfluorés et polyfluorés en milieu aqueux par traitement combiné osmose inverse, basse pression, absorption et électro-oxydation. En numéro 9, Gustave Mabiama, évaluation de l'état nutritionnel des personnes âgées au Cameroun ainsi que des facteurs associés. Et en numéro 10, Clément Paulin, les comportements volontaires répétitifs dans l'amnésie, entérograde. Voilà pour le récapitulatif, décidément je n'y arrive plus. Vous avez également leur visage sous vos yeux. Nous allons donc maintenant assister à une petite table ronde. Nous allons donc avoir deux groupes de 5 doctorants et doctorantes qui vont venir sur scène et nous allons discuter autour de leur sujet et de leurs études pendant que le jury, bien sûr, est déjà parti délibérer. Il y a une bonne demi-heure, je pense, de prévu pour ce moment-là. Je vais juste changer de micro et je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Est-ce que l'on m'entend ? Oui, ça fonctionne. Voilà, petit changement, juste pour que tous nos doctorants et doctorantes aient un micro avec eux filaire qui a été préalablement nettoyé. Voilà. Donc, nous allons accueillir un premier groupe de 5 personnes sur la partie haute. Voilà, juste par là. C'est parfait. Très bien. Alors n'oubliez pas, on vous laisse en fond de scène, on vous laisse bien sûr le lien question.direct/CPU pour pouvoir vous connecter, tout expliquer. Vous avez également le code pour pouvoir y accéder plus rapidement. N'oubliez pas de voter, ils en ont besoin. Votez bien sûr par rapport à vos préférences, à vos envies. Alors on va bien sûr attendre que tout ça se mette en place. Nous avons à peu près on a quasiment 400 personnes qui sont inscrites pour les votes. On vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter, de vous inscrire et d'avoir validé votre inscription pour pouvoir voter pour ces doctorants et doctorantes qui se sont donnés, qui ont beaucoup travaillé pour vous présenter leur présentation cet après-midi. Alors, où en sommes-nous par rapport à cette petite installation ? Nous avons un problème de fil, apparemment. Les fils s'en mêlent. Les fils s'en mêlent. Profitez-en de vous installer tranquillement. Ces tabourets sont magnifiques, en plus. Très bien. Vous avez pris une petite bouteille d'eau, quelque chose ? Même pas, mais il faut savoir se mettre bien. Hein.
On n'est pas... Très bien. Donc nous avons Clément qui est ici. Nous avons Lucie qui est là-bas. Nous avons Linda. Nous avons Gustave. Et nous avons Maya. Très bien. Ok. Est-ce que vous allez bien ? Ça va ? Oui. Oui. Test. Ah, ça marche. On est désolé. Il va encore y avoir un changement. On pensait que ça allait fonctionner comme ça, mais il va falloir que vous descendiez. Eh oui, il va falloir que vous descendiez au rez-de-chaussée. Alors faites attention par contre. Coupez les. Si vous voulez. Faites juste attention à ne pas bloquer les fils. Allez-y, moi je vais être plutôt sur le côté. Ah, les joies du direct. J'ai toujours rêvé de dire ça. Eh oui, ça prouve bien que nous sommes en direct. Et oui, regardez, en bas de votre écran, il y a un indice pour le jeu, alors que ce n'est pas du tout un jeu. Non, mais ça, c'est des fantasmes. Quand on regarde la télé, on a envie de le faire un jour. Alors, en bas de votre écran, n'oubliez pas ce numéro de téléphone. Très bien. Moi, je vais m'écarter légèrement. Ou alors je peux rester avec vous, mais il va falloir que je me masque. J'arrive, je suis là, j'arrive. C'est juste que si je veux être près de vous, il faut que je me masque. C'est que là on est en direct. Là on est en direct. On est en direct sur YouTube. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça fonctionne ? Vous m'entendez ? Ça fait pas trop frouch-frouch avec le masque ? C'est bon. Vous avez vu comme je fais bien les onomatopées de frottement de micro sur les masques. Ah, retenez bien, frouch-frouch. Très bien. Comment ça va ? Oui. Oui. Ils ont tout donné, ils n'ont plus rien à dire. Ça va. Nous allons passer un petit moment ensemble, un petit moment sympathique comme ça. Un petit peu à l'époque de Monsieur Delarue, à l'époque. Oui, je suis plus âgé. Non, pardon. Alors, je ne sais pas ce qu'on va prendre comme exemple. Non, je ne regarde plus la télé. Donc, nous allons passer un petit moment ensemble pour discuter de manière un petit peu plus libre, où il n'y a pas cette petite pression du chronomètre. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole comme vous le voulez. On peut se couper la parole, c'est la vie. C'est comme ça. C'est comme si on était en train de prendre un petit apéritif entre nous et on parle un petit peu de tout ça. Sauf que là, il n'y a pas d'apéritif, mais on va faire comme si. Très bien. Moi, j'ai une question qui est assez simple, hein, qui est assez évidente. Pourquoi ? Vous m'avez l'air tous, mais d'une motivation et d'un engagement incroyable. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé ? Chacun votre tour, n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis, même si vous aviez des sujets de recherche complètement différents les uns des autres. Voilà, on peut commencer dans un ordre logique ou dans un désordre illogique également, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie et qu'est-ce qui vous donne encore envie d'avancer malgré, je pense, des problèmes, des difficultés, des échecs par moment, des rebondissements. Moi, vous m'impressionnez de courage et de pugnacité, donc allez-y, j'ai envie de savoir un petit peu tout ça. Qui a envie de commencer à prendre la parole et à m'expliquer ce Soyez pas timide, vous nous avez fait un truc de 180 secondes exceptionnel. Et là, maintenant, c'est le calme plat. Qu'est-ce qui nous a motivés pour la thèse ou le concours ? Le concours ? Alors, oui, le concours, pourquoi pas ? Non, je veux bien commencer. Juste faire un petit commentaire sur les tabourets.
Je trouve qu'ils sont très beaux. Je ne sais pas si la caméra peut faire un gros plan. Ils sont magnifiques. Hein. C'est vrai. Mais la personne qui les a inventés ne s'est jamais assis dessus. Ah. Oui. Parce qu'en fait, je passe mon temps à glisser. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Alors, on va essayer de faire. On va faire comme une espèce de téléachat à l'envers. Vous voyez, en fait, on va présenter un tabouret qu'il ne faut pas acheter. Voilà. Pour ma part, pour répondre à votre question. Moi, je pense que... alors, en fait, moi, j'ai fini mes études il y a un certain moment. Et en fait, c'est mon activité en tant que... parce que je suis psychologue, neuropsychologue, c'est mon activité clinique qui, en fait, a fait germer des questions de recherche. D'accord. Et, du coup, ce qui fait que peut-être... je pense qu'il y a des doctorants ici qui n'ont pas tout de suite enchaîné avec le master. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas fait mon master suivi automatiquement du doctorat. Il m'a fallu quelques années, peut-être de mûrissement aussi, pour avoir envie de le faire. Ok. Est-ce qu'il y a, des peut-être... C'était un peu le même cas pour moi, parce que je n'ai pas enchaîné un doctorat directement après mon master. Donc après mon master, j'ai travaillé quelques années. J'ai travaillé quelques années, et c'est par la suite que j'ai décidé de reprendre et de faire une thèse. En fait, pendant mes années où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur projet, je formais un petit peu les gens et je me suis rendu compte que tout ce côté formation et tout, j'affectionnais énormément. J'ai décidé de me rediriger vers une carrière plus académique. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai repris pour faire une thèse et après ça s'est enchaîné. Très bien. Des choses à ajouter ? Non, mais allez-y, on est sur une discussion très ouverte, donc au contraire, oui, c'est... C'est pas quelque chose à ajouter, puisque je ne rajoute pas sur ce qu'elle a dit. Je dis ce que j'ai à dire. Non, mais c'est vrai. Avec un point comme ça, c'est encore mieux. OK. La thèse, j'ai décidé de la faire parce que pour réaliser un objectif d'enfance, j'ai toujours voulu être docteur en quelque chose, mais maintenant, il fallait que je trouve cette chose. Mes parents, mon père, il a 82 ans, 83 précisément. Donc, travailler sur la thématique des personnes âgées me paraissait la chose la plus évidente à faire. Pour accompagner mes parents dans leurs vieux jours et préparer les miens. Donc, voilà pourquoi je fais la thèse à Limoges. Et j'ai eu le bonheur de tomber sur quelqu'un qui a rapidement compris, le professeur Desportes, à qui je dis merci. Et qui a accepté de me diriger tout au long de ce parcours de 3 ans qui, je l'espère, court vers la fin. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de refaire la thèse. Et après la thèse, naturellement, j'espère rentrer dans mon pays pour faire profiter des connaissances acquises. Et surtout de cette expérience de ma thèse en 180 secondes. Alors, je peux vous dire que je me suis inscrit à la formation parce que je voulais comprendre comment ça marche. C'est quoi la thèse en 180 secondes ? Quelles sont les différentes étapes ? Okay, j'ai suivi la formation, je n'ai pas été traité. Voilà. Je me suis rattrapé par la suite, heureusement avec un coach de très grande qualité, très performant, qui m'a permis de voir quelles étaient mes lacunes. Et je pense qu'il a vu comment je me suis amélioré. Je ne suis pas parfait. Hein. Je ne pense pas que ma prestation était parfaite non plus. Mais il m'a permis de comprendre comment est-ce que ça marche. Et une fois rentré dans mon pays, je pense que je pourrais également accompagner un certain nombre de personnes dans ma thèse en 180 secondes. Merci, coach. Ouais. Merci, Christophe. En tout cas, sachez que la perfection, elle existe bien aux yeux qui la recherchent déjà. Attention, c'est bien, bien intéressant de le dire. Et où se trouve cette perfection ? À quel niveau ? À quel moment ? Moi, je suis loin d'utiliser ce mot. Vous avez été génial. Voilà, ça marche à tous les coups. Est-ce qu'on a autre chose, à dire par rapport à cette sensation, à ce moment passé ? Moi, c'était pour revenir pourquoi j'avais fait ma thèse en 180 secondes. On n'entend pas, non ? Si, on entend ? Si, là, ça y est. Ouais. Du coup, moi, c'était pour... En fait, parce que j'aime bien la vulgarisation scientifique. Avec Linda, on est un peu comme ça, on fait d'autres choses. On est beaucoup impliqués dans la vulgarisation scientifique. On va dans des écoles pour présenter... De l'immunologie, moi je fais du scientibus, donc je vais faire des petites expériences un peu à la Fred et Jamy de C'est pas sorcier dans oui, un d'accord. bus. Voilà. Okay. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la vulgarisation scientifique et
faire comprendre que les sciences, c'est cool et c'est intéressant, et faire partager ce message-là aux novices et surtout aussi aux enfants qui, plus tard, en fait, j'espère, feront de la science. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi vulgariser ma thèse pour leur dire que c'est bien de faire une thèse. Super. Oui, en plus, la vulgarisation, plus on en fait, plus on tombe dedans, plus on aime, plus on en refait et encore. C'est une drogue. C'est une drogue. On aime très bien, franchement. Et on a des gens aussi qui nous font aimer cette vulgarisation. Je remercie encore Christophe pour tous les conseils qu'il nous a donnés et à tous ceux qui nous ont accompagnés dans les parcours de vulgarisation scientifique qui sont vraiment, vraiment géniaux. Hein. C'est très gentil. Merci Christophe. Voilà. Merci. Aujourd'hui, on a des thématiques qui doivent arriver aux oreilles des gens, comme aujourd'hui l'antibiorésistance. Et voilà. C'est une des façons avec laquelle on pourra faire entendre aux gens ce qu'on est en train de faire. Parce que parfois, on est caché dans nos laboratoires. Les gens aussi nous en veulent un peu, qu'ils ne sachent pas ce qu'on fait. Et voilà. Là, de cette façon, ils peuvent savoir ce qu'on fait et nous soutenir. Et ils savent qu'on est là aussi pour eux. Mais moi, je vous remercie. Je remercie aussi Christophe, du coup, indirectement. Hein, parce que, pour être honnête, il y a 3 jours, je ne connaissais même pas AMT 180. Pour être également encore plus honnête, pour faire partie de la compagnie Arlette Moreau, c'était Marina Bouin qui a présenté il y a 2 ans cette soirée, mais malheureusement pour elle, elle est cas contact, donc elle a dû être obligée de se mettre un petit peu de côté pendant quelques jours. Donc j'ai découvert, j'ai revisionné, j'ai vu plein de vidéos, alors françaises comme étrangères, j'ai appris comment était née ma thèse en 180 secondes. Je pense que si j'avais connu ça plus tôt, je pense que j'aurais vu la science complètement différemment, j'aurais vu les choses différemment, j'aurais peut-être fait des... J'adore, je suis complètement fan, donc j'entends complètement le fait de dire plus on en fait, plus on a envie d'en faire, et ce côté un peu addictif, je le comprends complètement. Moi qui ai l'habitude de parler, et qui parle beaucoup, et qui adore parler, je serais certainement incapable de faire ce que vous faites. Vraiment, je suis... impressionné. Je veux juste rajouter un truc par rapport à ma thèse en 180 secondes. Au-delà de la vulgarisation scientifique, je me joins à ma collègue de Poitiers. Désolée, je n'ai pas retenu ton prénom. C'est Paul ? Non. Ah non, je croyais que... Tout à l'heure... Juste au-dessus. Tout à l'heure, je trouvais son témoignage très sincère, parce qu'au-delà de tout ça... ça nous fait sortir d'une certaine zone de confort. Oui. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et à laquelle, après, on y prend vraiment goût. Et je voulais aussi remercier Christophe parce qu'il nous a beaucoup, beaucoup apporté. Mais ça, tu le sais. Hein. Mais Christophe président, quoi. C'est pas possible. Mais voilà. Donc, y a plein de choses derrière et c'est vraiment au-delà de la... vulgarisation scientifique. Humainement aussi, ça a été une expérience formidable de nous rencontrer tous, parce qu'au final, on est souvent dans nos laboratoires, entre nous, mais lui, je ne le connaissais pas avant, elle aussi. Mm-hmm. Et ça nous permet aussi de voir ce qui se fait en recherche ailleurs. Donc, mais c'est juste formidable. Moi, j'ai une autre question qui me vient, c'est tout à l'heure, je blaguais en parlant de la situation, sans nommer laquelle, etc. D'ailleurs, je tiens à nommer et à faire un hommage à Raymond Devos. J'ai piqué une grosse partie de son texte, hein, bien sûr, vous l'aviez reconnu pour ceux qui l'avaient déjà entendu. J'ai juste bougé 2-3 pions. C'est que je suis tellement fan et j'ai jamais l'occasion de reprendre des textes de Devos devant des gens. Donc voilà, c'était mon petit kiff personnel. Donc voilà, mais aujourd'hui, avec cette fameuse situation très particulière que nous vivons tous en ce moment, qui est mondiale, comment voyez-vous justement l'importance de vos recherches ? Moi, en tout cas, ça m'a paru très très clair que c'est plus que primordial ce que vous faites. Quel que soit le sujet de recherche que vous faites, quand on voit ce qu'il se passe aujourd'hui, comment vous voyez ça ? Parce que vous êtes encore plus impliqué que moi, bien sûr, à mon petit niveau. Mais voilà, c'est une question qui n'est pas vraiment fermée. Je ne l'ai pas terminé, on va dire, mais je ne sais pas vraiment comment la terminer, parce que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ah,
Alors, excusez-moi, je suis un petit peu moins loquace du coup. Mais... Non, moi, je pense que bah, du coup, cette situation a mis en lumière la recherche. Enfin, c'est malheureux à dire, hein, mais ça a montré que la recherche est utile et qu'on a besoin de financement dans la recherche. Désolée de revenir à ça, mais on n'a pas trop d'argent dans la recherche. C'est compliqué de toujours faire des demandes, etc. Ça peut être vraiment exténuant des fois, et ça peut même décourager de continuer des projets parce qu'on n'a pas assez d'argent, pas assez de moyens. Donc vraiment, là, je pense que ça a montré que c'est utile, qu'on a besoin de nous aider et de valoriser en fait notre travail, quoi, de dire que ce qu'on fait c'est important. Et donc voilà, moi je pense que ça a mis un peu en lumière la recherche, donc au moins un point positif dans cette situation. Je comprends. Et d'avoir des gens qui s'investissent dans la recherche aussi, et de recruter des étudiants et de former, je pense qu'aujourd'hui c'est primordial d'avoir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et donc tout ça, ça passe par la formation. Et donc il faut qu'on forme tous les jeunes pour la recherche. Il n'y a pas que la recherche hein, dans le monde, mais c'est une partie très importante. Ça ouvre des perspectives de projets et on le voit. L'argent, ça aide à ça, comme dit Lucie. Alors ça, je suis bien d'accord. L'argent, ça aide. Hein. Donc voilà. S'il vous paye un peu d'argent. Non, mais c'est vrai, les financements, c'est très difficile. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ce genre de pratique, comme ma thèse en 180 secondes, également pour la vulgarisation, comme on le dit, on utilise ce terme, hein, je me permets de le reprendre, de vulgariser quelque chose de très complexe pour justement en parler à des financeurs qui n'ont pas forcément les connaissances. Je pense que ça vous aide également... Effectivement, oui, parce que voilà, les gens, c'est normal, ils doivent savoir dans quoi ils investissent leur argent et c'est normal de justifier. Hein, mais voilà, il y a des gens qui sont prêts à travailler, il y a des laboratoires avec beaucoup de gens passionnés et qui sont prêts pour travailler. Il faut juste parfois un petit coup de pouce c'est ce qui manque généralement. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter là-dessus ? Oui, Gustave. Non, j'avais juste une préoccupation. Rien, c'est quelque chose. Ça, c'est sûr. Parce que rien fois rien, c'est deux fois rien. Rien fois rien fois rien, c'est trois fois rien. OK ? Donc, on peut acheter quelque chose pour trois fois rien. J'aimerais savoir en dessous de rien, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a moins que rien, normalement, dans le texte. C'est moins rien égale moins que rien. Mais à quelle valeur est rien, effectivement ? Sauf que lorsqu'on achète à trois fois moins que rien. Trois fois moins que rien ? Oui. Ah bah, la femme donnait le nom du magasin. Mais... Très bien. Est-ce que nous avons terminé ce premier tour de discussion ? Nous allons accueillir le deuxième groupe. Je vais donc vous demander de laisser au fur et à mesure que vous repreniez place vos micros pour qu'on puisse faire un petit nettoyage. Voilà. Moi, pendant ce temps, je vais... Alors, ça ne se fait pas, hein, du coup, parce que je vous avais demandé de couper, mais moi, je vais prendre mon téléphone et je vais voter, parce que je n'ai pas voté encore. Je vais voter, et vous ne saurez pas pour qui. Non, mais... Alors, allez-y, vous pouvez commencer à vous installer. Je vous en prie. J'ai cru comprendre qu'il fallait tourner le tabouret. Alors, a priori, ils sont magnifiques, mais pas confort. C'est ce que j'ai cru comprendre, hein, si je vulgarise ce que j'ai entendu tout à l'heure.
Très bien. Comment allez-vous? Parfait. Soulagé. Soulagé? Parfait. Vous avez le droit d'utiliser plus d'un mot pour me répondre. Une phrase, par exemple. Je suis fou. Dites-moi. Je me sens visée, oui. Parce que j'ai un regard posé sur vous, mais après, voilà. Non, mais ça, je vais prendre la parole, du coup. C'était, pour moi, je parle à mon nom en tout cas, c'était très stressant, mais je suis contente que ce soit derrière moi maintenant. Bonne chose de faite. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'était stressant. Mais vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que MT 180, c'est avant tout des rencontres. Des gens qui étaient là pour faire des répétitions. Et c'était vraiment sympathique. Et d'ailleurs, ça l'est toujours. Donc voilà. Je confirme. Très bien. J'adore. Non. Moi qui adore parler et qui pourrais parler pendant des heures pour ne rien dire, vous l'avez entendu, je me mets à votre place, à l'inverse. Moi, du coup, on me dirait, mais tais-toi. Donc moi, j'ai envie de revenir sur le même sujet qu'on a vu juste à la fin du premier passage, c'est comment vous voyez aujourd'hui, avec la situation d'aujourd'hui, comment vous voyez votre travail? Comment vous voyez aussi l'évolution de votre travail? Donc on a déjà commencé à parler effectivement du fait que la science... en général, a manqué de budget. Alors, même si vous êtes un scientifique de droite, de droit. De droit, hein, pas de droite. Oui, non, c'est... J'ai dit, oh là là, Cyril, ne va pas au bout de ce mot. Non, normalement, la politique reste à l'extérieur de la recherche. Et puis, alors, moi, je ne m'engage vraiment jamais là-dessus. C'est un truc, bouh, j'aime pas ça. Ah. Donc, oui, non. Vous êtes un scientifique de droit. Est-ce que vous aussi, vous avez également une vision par rapport à tout cela? Parce qu'on a aussi quand même entendu des choses. Hein. Oui, bah après, je vais abonder dans le même sens que ce qui a été dit, mais je pense que c'est un propos qui est répété un peu par tout le monde dans le milieu de la recherche, quelles que soient les disciplines. C'est sûr que je pense que la problématique de la recherche, une fois encore, quelle que soit la discipline, c'est que c'est un investissement qui va produire quelque chose à moyen et même à long terme. Et je pense que, aussi pour abonder un petit peu dans ce qui a été dit, que la recherche, ça ne concerne pas que les chercheurs, c'est des évidences, c'est ce que je veux dire, mais ça ne concerne pas que les chercheurs et l'investissement, l'euro qui va être mis dans la recherche, c'est un euro qui va rapporter pas seulement aux chercheurs plus tard, c'est de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, de nouveaux projets, comme ce qui a été dit. Ça va créer de l'activité pour tout le monde, dans les laboratoires, mais aussi dans les usines, dans les entreprises de Bien manière sûr. Générale. Et à long terme, c'est quelque chose qui va faire travailler beaucoup de monde en France, et pas seulement des chercheurs, ça va faire travailler des gens de tout type de formation. Voilà, donc je pense que... Mais il faut avoir cette vision à long terme, parce que oui, l'euro qu'on investit maintenant dans la recherche, il ne va pas rapporter demain, mais plutôt, voilà, ni après-demain, mais dans quelques années. Bien sûr. Mais ça vaut le coup, je pense. Oui, je suis complètement d'accord. Je ne pense pas qu'on soit vraiment en déficit de recherche. Peut-être que sur certains sujets, on doit faire plus de recherche. Mais je pense que ce qui a été visible dans la dernière période, c'est un problème de médiation entre la recherche qui est produite dans un laboratoire, qui a son propre temps, d'une part, et de l'autre côté, le temps médiatique, qui a été très rapide et qui, dans une période de pandémie, a demandé d'avoir tout de suite de la connaissance qui arrive, alors que la recherche, effectivement, donc, du coup, prend du temps. Et c'est un problème de médiation entre le savoir scientifique et sa production et le citoyen qui doit, derrière, même le décideur, qui doit prendre des actions. C'est plutôt ça pour moi ce qui a été révélé dans cette dernière année, par exemple. Très bien. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes la nouvelle génération. Vous êtes les jeunes pousses qui vont certainement bousculer d'autres, peut-être des protocoles, des choses différentes. Je suis encore quelqu'un de très innocent, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Moi, c'est l'image que je me fais de vous qui allez arriver également et qui allez amener certainement peut-être des façons aussi de voir les choses différentes qui vont peut-être faire que ça va soit s'accélérer, soit pas, mais s'améliorer quand même dans tous les cas. Donc, est-ce que vous sentez aussi quand même une petite pression là-dessus, sur le fait de, ok, maintenant il faut avancer, il faut bien avancer? J'entends toujours cette phrase de mon directeur, on va avancer, on doit avancer. Donc oui, il y a une grande pression. Ouais. Et surtout lorsqu'on travaille avec des entreprises, on travaille par exemple avec des membranes, des électrodes, donc que les entreprises ont pour les tester. Donc et ils veulent des résultats. Donc ça nous cause une pression, mais
on doit avoir une patience, il faut travailler, il faut faire un plan et ça va. Et ça va. Oui. ce qui est intéressant aujourd'hui, et j'aimerais le rajouter, c'est qu'on est de plus en plus dans la médiatisation, le fait de s'exprimer sur nos sujets et on est moins cantonné parce que la recherche, ce qui nous fait avancer, c'est lorsqu'on se met à l'unisson et on travaille tous ensemble. Mmh. Et avant ça, c'est vrai que le travail de la recherche, en tout cas je parle pour le domaine de la science et de la clinique, mmh. on était très concentrés sur notre petite recherche dans notre laboratoire. Et à l'heure actuelle, ce qui fait avancer les choses, c'est de se dire, voilà, mon voisin à côté fait quelque chose qui est relativement proche, mais grâce à lui, on va réussir à avancer, à aller plus vite. Voilà. Donc la mutualisation. Voilà, la médiatisation, la vulgarisation, le fait de avec les médias à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on essaye de plus en plus, même nous en tant que jeunes docteurs ou bientôt docteurs, on essaye à notre petite échelle d'expandre nos recherches pour justement ne pas travailler dans l'ombre, mais travailler à plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de communication entre laboratoires différents ou entre études différentes pour pouvoir justement associer les savoirs ou... Alors, c'est vraiment un discours hyper naïf de ma part, parce que je vous lance ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de plus de mutualisation qu'il n'y avait pas au préalable? Alors, oui. Pour répondre exactement à cette question, je vais dire tout de suite, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est pour les gens qui sont intéressés et qui veulent... qui ont un intérêt pour la science, c'est la semaine du cerveau, cette semaine. Donc voilà, j'en profite pour vous le dire, si vous êtes intéressé par tout ce qui est science, neurosciences, neurobiologie, et plus encore, je vous invite à aller sur le site Semaine du cerveau Poitiers, et vous trouverez des vidéos, notamment sur YouTube, de plusieurs chercheurs poitevins. Voilà. Ah bah c'est super ça. Moi je me bats tous les soirs quand je m'endors avec mon cerveau, parce qu'il ne veut pas me laisser m'endormir. Donc je vais peut-être pouvoir y trouver des réponses, ça va être intéressant. Moi en tout cas, j'ai beau me refaire toute la matinée, le début d'après-midi et ce milieu d'après-midi, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de dire que je suis impressionné. C'est vraiment... Oui, vous êtes impressionnant. C'est juste incroyable de réussir à vulgariser, comme on le dit, j'utilise vraiment ce terme parce que vous l'avez utilisé et que, parce qu'au début je m'étais dit, oh, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais de vulgariser ce temps de travail qui est impressionnant en 180 secondes et vous arrivez à nous le faire comprendre comme ça. C'est qu'est-ce qu'il faut pour vous qui êtes des, je pense, encore une fois, hein, je parle d'un univers que je ne connais pas bien. Qu'est-ce qu'il faut pour vous pour passer de recherches pointilleuses avec des données hyper précises, etc., à devoir balayer une grosse partie de ce travail-là pour essayer de le faire comprendre au commun des mortels? Vous voyez ce que je veux dire, comment vous arrivez à faire ce travail qui est complètement différent, du coup? Moi, j'ai envie de répondre, il faut des grands-parents. On va chez eux et on dit « Ah, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Ah, je vais t'expliquer. Je travaille sur ta et puis ah mais j'ai pas compris et on recommence. Voilà. C'est génial comme réponse. Alors c'est génial parce que je pense que c'est effectivement le meilleur des entraînements possibles. Moi je peux m'arrêter à mes parents, ça suffit. Mais vraiment parce que j'ai voulu leur faire essayer un ordinateur il y a pas longtemps, j'ai compris. En tout cas vraiment c'est moi ce que j'arrive vraiment pas à capter encore une fois. Hein, c'est ce que vous venez d'expliquer avec vos grands-parents, mais c'est comment réussir à mettre de côté des choses qui, pour vous, vous paraissent tellement importantes pour que nous, entre guillemets, on puisse un tout petit peu être dans la compréhension de cette chose. C'est, moi, je trouve ça vraiment incroyable. Je oui. pense, moi, je dirais, c'est la passion. Être passionné par une thématique ou un sujet, vouloir... l'exprimer à quelqu'un, c'est, je pense, une méthode de vulgarisation. C'est un travail sur la vulgarisation pour lui exprimer cette passion et à la fin, regarder la personne et se dire « Ok, elle a compris ». Et ça, pour moi, c'est... On a tout gagné, quoi. Je pense que c'est ça. Oui, moi, je pense que c'est un défi aussi de faire ce challenge. Et... en fait, c'est de valoriser notre recherche. C'est de parler aux autres personnes
à propos qu'est-ce qu'on travaille. C'est pas que seulement les personnes qui sont dans nos labos qui nous comprennent. Donc c'est intéressant que quelqu'un dans la rue ou mon ami qui travaille dans un autre département, donc qui me demande qu'est-ce que tu travailles. Et donc moi je suis très intéressée, je suis très passionnée de d'exprimer vraiment qu'est-ce que je travaille. Donc c'est cette passion qui m'a aidée à inscrire dans cette formation et vraiment de vulgariser mon projet. Okay. Très bien. Ouais, je voulais juste ajouter, je pense que finalement c'est en soi un exercice qui peut aussi, ça peut aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que forcément notre travail de recherche il va nourrir ce qu'on va vous présenter à ma thèse en 180 secondes, mais je pense que ça peut aussi nourrir, que ma thèse en 180 secondes peut nourrir notre travail de recherche dans le sens où c'est un pas de côté. On est devant notre feuille blanche au début, alors qu'est-ce que je vais raconter au public ? Et ça nous force à prendre un peu de distance avec nos recherches du quotidien pour se reposer des questions de base, à savoir où je vais, qu'est-ce que je veux démontrer avec mon travail, voilà l'état de la recherche aujourd'hui, moi, quelle est la petite pierre que j'ai envie d'apporter ? Et voilà, et ce travail-là, je pense que finalement, tous les chercheurs, même sans participer à ce concours, doivent se poser ces questions-là à un moment donné dans leur travail pour... Voilà, il y a des moments où il faut qu'on se questionne un petit peu pour savoir où est-ce qu'on va, où est-ce que je suis parti, est-ce que j'ai dans le bon sens, etc. Voilà. Faire un pas de côté, donc ça, c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Oui, moi je suis d'accord avec ça, le pas de côté, même un pas de recul en fait. J'ai envie de prendre ton exemple, Maëlig, avec ton sujet qui est alpha-synucléine. C'est une molécule et tu vas étudier comment est-ce qu'elle évolue avec ses concentrations et son comportement, et c'est peut-être un sujet qui est à la pointe de ton champ. Et quand tu dois l'expliquer, tu dois revenir à des notions plus globales. Donc faire ce pas de recul pour pouvoir avoir une vision englobante de ton problème. Et c'est tout l'enjeu de pouvoir le faire en 180 secondes, c'est que tu te retrouves face à ces contraintes de comment je fais pour l'expliquer facilement. Parce que je ne peux pas dire alpha-synucléine, c'est une protéine qui a, je ne sais pas, tel atome qui la compose. Et donc tu te retrouves face à ces problématiques. Donc on est un peu tous passés face à cette étape d'abstraction, de prise de recul. Moi je me rappelle donc la première fois qu'on s'était rencontré, du coup que tu avais vraiment ce texte qui était très précis où tu allais dans les détails très scientifiques, et je dis oh, c'est très bien, mais c'est moi en tant qu'observateur j'avais pas compris ce que tu racontais, et quand on voit maintenant ta prestation on voit que le travail qui a été effectué, donc mais c'est valable pour tout le monde hein. Je dis ça parce qu'elle est directement à ma gauche. Donc voilà, c'est le point que je souhaitais développer. Je pense qu'on a tous fait ce pas de recul pour avoir une vision abstraite qui permet ensuite de la diffuser à un grand public. Est-ce que ça vous a fait changer quelque chose, le fait de travailler pour ma thèse en 180 secondes, à un moment donné, justement, comme on dit, de voir un petit peu, de survoler un petit peu plus pour voir un petit peu le champ des possibles pour expliquer du coup aux personnes votre travail. Est-ce que ça vous a fait changer quelque chose en disant ah mince, en fait je viens de me rendre compte que ça c'était peut-être, j'aurais peut-être pu faire ça. Est-ce que ce recul vous a aidé? Est-ce que ça vous a amené des avantages de comment dire, désorganiser un petit peu ça pour le réorganiser en 3 minutes, vous voyez ce que je veux dire, au lieu d'un travail qui dure des jours, des semaines, des mois? Est-ce que ça vous a fait changer quelque chose? Est-ce que vous avez revu des choses différemment? Alors moi, pour être honnête, pas vraiment, parce que mon sujet, je le comprenais déjà bien, enfin, je pense l'avoir bien compris à la base, dès le début. Et donc, ce que ça m'a apporté, c'est plutôt d'un point de vue personnel, ou même professionnel, en fait, dans la manière de s'exprimer. Ça m'a permis à contrôler ma respiration. Ma directrice de thèse, Laure, pourra vous en parler. J'ai tendance à être un peu essoufflée lorsque je suis stressée, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc voilà, c'est un des avantages aussi de ce genre d'exercice. Il faut faire attention à l'apnée, hein, effectivement. C'est ça. la Jacques Mayol du MT-180. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter? Je me retourne. C'est bon? Tout va bien? Eh bien écoutez, le timing il est parfait. Les délibérations sont terminées. Nous allons pouvoir les applaudir et les raccompagner en loge. Et nous allons... avoir les résultats pour la remise des prix. C'est un suspense insoutenable. Hein. Je ne sais pas pour qui vous avez voté, moi j'ai voté. Alors, est-ce que quelqu'un veut acheter ce tabouret qui apparemment a l'air hyper confortable? Il faut que j'arrête avec cette blague. Hop là, on va reculer un tout petit peu. Tout cela pour laisser un petit peu de place.
Ils sont très lourds, ces tabourets, en tout cas. Très bien. Alors, nous allons procéder comme suit. Je vais peut-être pouvoir me démasquer. Hop. Ah, ça fait du bien. Nous allons donc commencer par le prix des internautes, ensuite le troisième prix, le deuxième prix et le premier prix. Pour avoir un maximum de suspense, sachant que ce sont les deux premiers prix qui vont être sélectionnés pour la suite de cette compétition. Très bien. Pour remettre le prix des internautes, je vais demander à Monsieur Lemonnier Denis de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Il est là, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Donc vous êtes directeur adjoint de l'ISAE ENSMA. Exactement. J'ai bien dit ? C'est très bien. Oh, mais c'est incroyable, et je m'améliore. Hein. Oui. Hey, je suis comme le vin, je m'améliore en vieillissant. Alors, je me fais des petits compliments, parce que sinon... J'ai le plaisir de remettre ce prix des internautes. D'abord, je voudrais dire que, comme tout le monde, j'étais vraiment impressionné par la qualité des différentes prestations. On a beaucoup parlé de vulgarisation. En fait, c'est rendre accessible des sujets qui sont en général très pointus. Et comme ça a été très bien dit, avec suffisamment de recul pour que l'on puisse, en quelques secondes, cerner les enjeux. Et aussi, la plupart de ces sujets ont des impacts sociétaux très importants. C'est ce qu'on demande à la recherche aujourd'hui, d'être en phase avec les grands défis de la société. Et c'est que ce soit dans la santé, que ce soit dans la qualité de l'environnement, que ce soit dans le vieillissement, comme je ne suis pas très loin de l'âge de la retraite, c'est un sujet qui commence à me perturber. Et je pense que vraiment, il y a eu, même que ce soit dans le droit qui est partout, donc qui régit les différents aspects de notre vie, qui conditionne certaines de nos libertés. Et j'ai trouvé vraiment que de ce point de vue-là, l'ensemble des sujets et la façon dont c'était présenté était remarquable. Et ce soir, il y aura des gagnants, mais je suis persuadé qu'il n'y aura aucun perdant. Donc vous avez tous vraiment fait une prestation dont vous pouvez être fiers. Eh bien, je suis complètement d'accord avec vous. Donc je vais vous laisser... Alors je ne sais pas, je dois annoncer le nom. C'est vous qui avez en tout cas le nom d'un Christ. Moi je le sais. Écrit sur le chèque, moi je ne l'ai pas vu. Oui. Et bien, je vous laisse. Le prix des internautes a été attribué à Lama Salé. Bravo. Félicitations, c'est très mérité. Est-ce que Lama, tu... Je voudrais dire merci pour le vote et pour le prix. Je voudrais dire aussi merci pour les organisateurs, Gilles, Andric et Nicolas, qui n'est pas là, qui nous ont vraiment aidés pour progresser dans cette formation. Et merci beaucoup. Merci à vous, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lemonnier. Un premier chèque de partie. Allez, c'est comme ça. Il paraît que c'est fait jeune de faire ça. Donc nous allons pouvoir maintenant tout de suite continuer pour le troisième prix. Il va être remis par Joachim Brumberg. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je me permets aussi de dire un petit mot. C'est ma première finale régionale du MT180. J'ai été extrêmement impressionné par la qualité de la prestation des 10 doctorants ou docteurs, puisque certains étaient encore doctorants et certains sont déjà docteurs. On a vraiment appris énormément. Je suis d'accord sur ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Ça leur apprend vraiment à s'exprimer, aller droit au but, et ça nous montre aussi qu'une contrainte est souvent productrice de qualité, c'est-à-dire que quand on ne pose aucune contrainte, finalement, on ne va peut-être pas produire grand-chose, puis quand on dit « faites-le en 180 secondes », ça semble impossible, mais du coup, il en sort des pépites extraordinaires. Donc moi, j'ai été extrêmement impressionné, j'ai été tenté de les mettre tous, mais bien sûr, il a fallu faire une délibération. Et là, c'est pour mettre le troisième prix à Maëlig Patrigeon. Bravo. Bravo, Maëlig.
Je vous laisse vous exprimer. Merci beaucoup. Bon, ben, je vais essayer de ne pas louper complètement mon discours comme la dernière fois. Donc, ben, je voudrais dire bonjour et merci à mon laboratoire, déjà, qui est en train de m'écouter, j'imagine, aux formateurs, Hendrik, Nicolas, Gilles, et aussi à mes parents et ma famille qui sont en train de me regarder, parce que je pense qu'ils sont, ils sont contents de moi. Et un petit coucou aussi aux amis du Pays-Bas et de Hong Kong qui m'ont soutenue à distance. Voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Maëlig. Merci, merci Monsieur Bromberg. Ah, et hop, un autre petit chèque. Nous allons maintenant demander à Florine Ecal de nous rejoindre pour décerner le second prix. Inspectrice, inspecteur. Oui, c'est ça. C'est j'avais ça, pas hein. Oublié. C'est que j'ai vu les vidéos, en bah fait. Oui, je hein. Mais je mens pas hein, quand je dis que j'ai regardé toutes les vidéos. Et j'ai vu, du coup, la petite anecdote. C'est ça. Voilà. On m'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. Et si vous voulez le savoir, ben regardez les vidéos, on ne dira pas exactement. Plus. C'est un super teaser. Bientôt sur vos écrans. D'ailleurs, Netflix est intéressé. Hein. Bon, oui, bref, excusez-moi. Oula. Je vous en prie, je vous laisse décerner ce second prix. Oui, donc ben, moi, il y a 2 ans, là, maintenant, j'étais à votre place, en train de stresser. Je sais ce que ça fait. Pour ceux qui vont aller plus loin, comme pour ceux qui vont rester là, vous pouvez être fiers de vous, parce que franchement, c'était vraiment très, très bien. Il y avait du haut niveau. Pour ceux qui vont aller plus loin, vous allez rencontrer d'autres doctorants et profiter de cette expérience pour vous faire de nouveaux contacts et même pour vous éloigner un petit peu du sujet de votre thèse. Vous allez voir, vous allez prendre du recul en discutant avec d'autres gens et c'est très enrichissant. 2 ans après, on m'en parle encore, je suis ici avec vous, on me contacte encore sur LinkedIn par rapport à ma participation. Donc c'est quelque chose dont vous pouvez être fiers et donc bravo à tous. Et le deuxième prix est donc attribué à Jérémy Bourget. Félicitations. Bravo. Bravo, tu vas avoir l'honneur de participer à la demi-finale. Merci beaucoup. En effet, je suis très honoré, d'autant que, bah, comme ça a été dit, la concurrence était très rude. Les autres concurrents étaient vraiment très, très forts. Et voilà, donc c'est un grand honneur de représenter bah, du coup, à la fois la commu Léonard de Vinci et l'Université de Poitiers à l'étape d'après. Je souhaiterais aussi en profiter pour, bah, pour remercier hein, tous les gens qui ont pu nous accompagner sur ce projet. Un petit coucou à Christophe Poirier qui m'a aidé, à Camille, ma fiancée, à l'équipe de recherche de laquelle je dépends aussi, l'Institut Sciences Criminelles de l'Université de Poitiers. Et puis bien sûr, à tous, je ne vais pas les nommer, ils se reconnaîtront, à tous les gens qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Jérémy, merci Florine. Et je vais donc demander à Virginie Laval de venir me rejoindre pour remettre le Graal, le premier prix. Et je suis ravie, franchement. Ah ben, mais j'aimerais tellement être à votre place, je suis à côté, je ne peux même pas le faire. Oh. Alors, normalement, c'est Loïc Vaillant qui aurait dû remettre ce prix en tant qu'administrateur provisoire de la commune Léonard de Vinci. Il est vraiment déçu hein, de ne pas être là aujourd'hui, donc je vous le dis, il est pris par des obligations liées à ses responsabilités médicales. Donc moi, je suis ravie, hein, je vous l'ai dit, ce matin, j'étais de bonne humeur, je savais que je venais vous écouter, c'est un très bon moment à passer dans un, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je le redis aujourd'hui, dans un agenda de présidente d'université, ça fait du bien des moments comme ça. Vous avez été tous très forts. Vous avez été capable de vulgariser merveilleusement bien votre travail, vous nous avez transmis votre passion, c'est ça qui est important. Je ne vais pas faire attendre trop longtemps. Le gagnant est Paul de Kitz. Est-ce que c'est une blague ? Merci Est-ce que beaucoup. C'est une blague ? C'est pas une blague ? Non. Ah. J'ai rien prévu. J'abordais la journée en me disant le niveau était tellement incroyable lors de la sélection des candidats. En plus, il va y avoir ceux de Limoges. C'est pas possible. Et ben, je me retrouve du coup bêta sur scène à ne savoir que dire. Donc, eh bien, je vais faire des remerciements eh bien, envers les autres candidats. Vraiment, parce que, encore une fois, vraiment, vos prestations sont toutes très impressionnantes. Merci aux membres de jury. Merci à mon laboratoire, le laboratoire Xlim, au laboratoire LMA,
laboratoire de mathématiques et applications avec son équipe d'ActiveMIS et le CHU de Poitiers, qui sont donc les trois structures dans lesquelles j'ai pu effectuer ma thèse. J'ai une pensée pour ma directrice de thèse également, Christine Fernandez-Malouagne. J'ai une pensée pour l'équipe technique, j'ai une pensée pour ma famille, j'ai une pensée pour tout le monde et pour ceux que je ne vais pas citer parce que je les ai oubliés sur cet instant. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bah oui. Mais oui, merci à tous ces gens-là. Voilà, merci. Merci Madame la Présidente de l'Université. Voilà. Et merci à toi aussi pour cette belle prestation. On peut l'applaudir encore une fois bien fort, s'il vous plaît. Paul, le grand gagnant. Alors, je vais te... Qu'est-ce que je fais du micro ? Je pense que Virginie va pouvoir reprendre le micro, rester à mes côtés. Je vais faire quelques remerciements. Et moi, sur mon filage, il y avait un petit discours de clôture après. Donc, après, voilà. Je me dis, on est tranquille, on est bien, on est sur scène. Je fais des remerciements, ça laisse le temps de mûrir tout ça. Donc, je vais donc lancer des remerciements, bien sûr, l'Université de Poitiers qui nous accueille ainsi que ses services. Donc, immédiat pour la captation ce soir. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Ils ont fait un gros travail de mise en place. Merci à vous. La Maison des étudiants, bien sûr. Le Collège doctoral de Poitiers. Les secrétariats des écoles doctorales. Les services de l'Université confédérale, excusez-moi, Léonard de Vinci. Les équipes de formateurs au concours MT180 à Limoges et à Poitiers. Et Cyril Berthe, je ne sais pas trop qui il est, donc pour la troupe Arlette Moreau, je crois que c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui utilise les mots de M. Raymond DeVos. C'était moi-même, merci beaucoup pour cette soirée. Je vais laisser la parole à Mme Laval pour un petit mot de fin, si vous avez envie. Ben oui, bien sûr. Donc je vais remercier tous les candidats, évidemment, donc en particulier les candidats de l'Université de Limoges, hein, que je n'avais pas entendu... il y a 15 jours maintenant, donc bravo, vous avez fait une très belle prestation. J'avais prévu d'aller à Reims, hein, mais vraiment, hein, donc je suis très déçue, mais j'accompagnerai, et je viens d'apprendre le processus, en fait. Donc les deux premiers candidats, vous allez transmettre la vidéo à la CPU. La CPU va décider de convoquer parmi 80 capsules vidéo, c'est ça, à peu près, 16 candidats physiquement présents, à Paris. Si jamais vous êtes retenu présent à Paris, j'irai avec vous, j'irai accompagner les couleurs de l'Université de Poitiers, de l'Université confédérale Léonard de Vinci, et je le ferai avec plaisir, et j'apporterai la bouteille de champagne que nous aurions dû partager sur le territoire rémois, mais on le fera à Paris, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous. Moi, je tenais également à remercier tous les candidats, candidates, bien sûr, aux personnes qui étaient présentes ce soir, enfin cet après-midi, j'ai toujours envie de dire ce soir, c'est horrible. Cet après-midi, ça fait du bien d'être sur une scène avec des gens en face de nous. Je vous assure que je ne faisais pas le fier il y a encore 2 heures de ça, car ça faisait longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Merci, un grand merci à Henrik, un grand merci à Anthony, un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné et qui m'ont fait confiance parce que j'ai donc, comme vous l'avez compris, remplacé à la dernière minute Marina. C'était un bonheur. Vivement le prochain, vivement les MT180, que Poitiers puisse briller dans les phases à venir. On vous souhaite que du bonheur. À très très bientôt. Merci beaucoup et faites attention à vous. Au revoir à tous.